nous sommes des esclaves, donc apparemment. Je refresh la page, De voir si on quel est live quand droit? même. Non? Je sais pas, je vois pas. Tu te vois pas en live là ou? Ah, voilà. Ça y est. Coucou. Bonjour. On devrait être Alors bon. on va ouais, peut-être laisser un peu de temps, je sais pas. Ouais. Faut que les gens refreshent la page. Non, ah ouais, des fois ça arrive. Ouais. Putain, attends, je Ouais, suis en vu que ligne ça sur coupe Steam ou à quoi? chaque fois. On est en ligne. Salut Elfmaniac. Puis salut tout le monde du coup. Une run de Dark Souls, ouais, ça va être une race. Comme l'année passée. Exactement. Sauf que cette fois, on va faire la même route, donc ce sera peut-être plus simple à suivre pour vous, du coup. Salut tout le Effectivement. monde. Ouais, l'année passée, on avait fait. J'avais fait une. Ah, c'est cool quand tu y penses comme ça. Moi, j'avais fait une. L'année passée, j'avais fait une route qui était entièrement au corps à corps. Toi, t'avais fait une route qui était entièrement à la magie. Exact, ouais. Et cette année, on fait une route qui utilise les deux. Voilà, Donc. c'est un peu un mix en fait, vraiment de des deux routes, enfin des deux routes à peu près avec une autre arme. Enfin, vous verrez de toute façon. Non, c'est du all boss, c'est pas du any pourcent avec le DLC, c'est tous les boss là. Ouais, tous les boss. Sachant qu'un boss, c'est défini par une barre de vie, donc. Donc si jamais, petite info technique, la voix de Théum est en direct, mais son gameplay est un poil en retard de 4 ou 5 secondes. C'est normal, c'est parce qu'il stream chez moi et moi je stream ici. Donc Voilà, voilà, donc on va si, là. s'il dit merde et puis qu'il n'est pas encore mort, c'est qu'il va mourir dans les 5 prochaines secondes. Exactement, je vais spoiler un peu. Désolé d'avance, mais voilà. Les émotions. L'estimation est de 1h40. Alors on n'en dit pas plus, juste 1h40. Après on 1h40. lui. Ok. Bon, Bon, je suis prêt moi. je suis prêt aussi, je suis OK, donc fais un décompte, puis. Ah putain, fais gaffe hein, que ton timer commence, hein, parce que c'est vrai que là il est vert, j'ai l'impression qu'il a déjà commencé, Ouais, mais. je viens de vérifier justement. Ah merde, attends, est-ce que je suis compare against? Oh, ok. T'es pas Ah sur ouais, le c'est real une time connexion de encore. Warrior qu'il a, c'est clair. Hein? C'est une connexion de Warrior que Non, t'as. je dis t'es pas sur le real time encore là. Sur in-game time, oui. Ouais, ok, in-game. Cool. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Alright. Bonne chance. Bonne chance à toi. Alors on commence les deux chasseurs avec les Black Fire Bomb. Donc on n'a plus besoin de la Master Key comme on avait besoin à l'époque. Exactement, ça c'est une grosse amélioration. Parce Par qu'on va contre en parler c'est. peut-être après, mais Ouais, il y a eu c'est bien beaucoup de plus tard. changements en fait. Beaucoup beaucoup de changements. Comparé à l'année passée. Les temps se sont beaucoup réduits aussi. A noter que le record du monde d'ailleurs pour cette run est de 1h10 46 secondes. Par Donc on Camoul, va. évidemment. Camouls 7. 78. Le gros effort. Gros Parce qu'on est effort. suisse, donc on a du mal avec les 60, 70, 90. Mais ouais, Camoul a le record du monde et il est juste imbattable dans ce jeu. Donc ne vous attendez pas à un truc aussi court, mais on va faire au mieux. Je pense que le record devait être à 1h14, quelque chose comme ça, qu'on a fait l'année passée, je pense. Je suis pas sûr. C'est vraiment énorme hein, comme optimisation depuis là. Sachant que le run à l'époque, on le pensait quand même pas mal opti. C'est qu'il y a un nouveau skip qui a changé pas mal la donne sur le début du jeu. Qui sauve 2 minutes en fait, à peu près, en all boss. Qui a été On en trouvé parlera en peut-être sur. décembre 2016. Merci pour la chance. Il y en avoir besoin un peu. Ah, le machine de Oscar. Ouais, c'est parti On là. entend bien les manettes, hein, mais bon. Ça rajoute du Un peu charme, je trouve. bruyant. C'est ça, c'est le charme du speedrun. Tu veux du spectacle? On va essayer de donner du spectacle. On va essayer de pas trop mourir, mais bon. Connaissez Dark Souls, hein. C'est pas un jeu qui pardonne vraiment beaucoup. Donc vous pouvez peut-être vous demander pourquoi, parce qu'on a déjà tué le démon de l'asile, pourquoi on se fait chier à aller monter tout en haut alors qu'on pourrait simplement partir. On a besoin de l'arc en fait, pour un glitch qu'on fera pendant tout le long de la run. Ouais. Un des meilleurs glitches vraiment de ce jeu, c'est. Enfin, vous verrez. Puis bon, on a aussi besoin de ramasser les astuces, hein, pourquoi pas. C'est aussi pas mal de pouvoir se heal.
Alors j'annonce, hein, si on meurt dans les 5 prochaines minutes, ça peut arriver. Ouais, c'est totalement normal. C'est le début de cette run est vraiment, vraiment pas constant. Parce que, ouais, y a toute une partie là, on va bientôt y arriver, où il y a les chiens, vous allez voir, et c'est le pire ennemi du jeu, quoi, tout simplement. Enfin, Super on fait imprévisible. juste une race, c'est pas une. Voilà, on essaie de se battre l'un l'autre, c'est tout. On joue pas ensemble, on n'est pas connecté, quoi que ce soit. Exact. Juste voir qui va finir le premier. Moi je vais jouer safe. À savoir que là, vous allez aussi voir des fois qu'on quitte le jeu et qu'on recharge la sauvegarde. C'est simplement le plus souvent pour reset la position des ennemis ou alors pour d'autres skips que vous verrez plus tard. Mais voilà, si vous nous voyez quitter le jeu, il y a une bonne raison. Putain. J'ai raté le match en snipe déjà, c'est bien. J'ai Ok. failli rater le lower unnet burst skip. Donc là on a. Attends, il y a 2 secondes. Ouais. Ok, les deux firebombs là, c'était pour tuer un marchand. On a besoin d'une clé en particulier. Et bah, aller lui parler, c'est lent. Alors du coup, on se met en endroit précis, puis on lui balance des bombes depuis super loin. Et on a besoin d'une clé pour libérer un PNJ. Je vais aller libérer là bientôt. On ramasse aussi cette arme là dans ces petites maisonnettes qui va nous servir justement pour le glitch dont on parlait avec l'arc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs qu'on fait ici, c'est. Ouais, il y a beaucoup de choses à suivre, c'est vrai, mais on va essayer de vous faire comprendre au mieux. Là encore une fois, on quitte le jeu pour reset les chiens parce que c'est vraiment horrible sinon. Hein. Alors théoriquement, ça serait plus rapide de pas quitter hein, dans cette zone pour pas reset les chiens, mais c'est une RNG de malade quoi. Ouais, c'est vraiment. Vous pouvez le faire sans, mais c'est si vous aimez reset. Voilà. Si vous aimez vous retrouver à l'asile sans arrêt, ben c'est top. Mais sinon, il y a meilleur temps de gaspiller un peu de temps pour ça, quoi. On perd environ 2 secondes à chaque fois qu'on fait un 7 quid juste pour ça. Donc ça peut être un peu chiant à regarder au début le fait qu'on quitte tout le temps. Mais vous C'est en faites pas, clair. ça se calme au début. Ça se calme par la suite. Ouais, déjà là, après les chiens, là, le passage des chiens, ça va déjà beaucoup mieux. Quand même moins de chances de mourir. On essaiera de lire le chat aussi, mais c'est pas toujours évident quand on run ce jeu. Faut rester bien attentif. On ramasse les résines de pain doré. Donc ça c'est un buff pour notre arme qui rajoute des dégâts de malade. Enfin pour un début de jeu évidemment. Ouais. Donc Donc là c'est des on dégâts a juste. fixes, donc on les utilise que sur 2 mobs au tout début, un premier boss et puis un mob et puis après on les utilise plus. Et ça aide beaucoup quoi pour les. Ouais. Pour ce boss là en tout cas, ça le défonce. Oh, t'es Oh sérieux? là. Ok, moi il m'a fait un truc chelou, mais ça va. Sur Taurus là je pense. Ouais. Ok, moi il est mort, ça s'est bien passé. Là on va aller, on a besoin d'une autre arme, on va aller chercher la fameuse Drake Sword, l'épée du dragon je pense en français, je me rappelle plus. Ouais, on joue à ce jeu tout le temps en anglais, donc on est désolé si C'est on ça, ouais. oublie. Les noms des zones, des armes, des boss. On va les dire en anglais si on trouve pas, quoi. Il y a quelques petits francophones qui jouent, mais la plupart du temps c'est en anglais sur ce jeu. Ouais. Grande communauté d'ailleurs pour le speedrun de Dark Souls. Hein. Il y a vraiment beaucoup de monde qui participe, qui regarde ou qui run. Ça fait vraiment plaisir. C'est très actif. Donc voilà, la Drake Sword. On va l'utiliser jusqu'à Orlando. Ouais, c'est vraiment une bonne arme pour le début du jeu. Puis il y a aussi sa technique du R2 à deux mains qui va nous Ah aider ouais. pour pas mal de trucs. J'espère qu'un de nous deux pourra vous montrer ça parce que. Ça fait plaisir. Ah ouais, cette arme, elle aide vraiment énormément quoi pour les runs au début. Alors là, je vais pas sur les gargouilles direct. J'ai besoin du feu de Parish d'abord. Et si vous avez peut-être l'habitude des anciens speedruns, vous dites, mais où est Quillag sur les splits? Et Ah là, oui. Quillag est beaucoup plus tard en fait dans la run. Grâce à un nouveau skip justement, celui dont j'ai parlé au début, qui a été découvert en décembre 2015, 2016.
et qui nous permet de ne pas avoir besoin de sonner les cloches pour aller dans la forteresse de Sen. Donc c'est le Sen's Gatekeep. Qui a été trouvé, ben, Ouais, par par toi, moi-même, ouais. par capitaine. Et ouais, ça change beaucoup la donne quand même. Ça fait vachement plaisir de pouvoir aller directement à la forteresse de Sen sans. On pourrait y aller théoriquement, voilà quoi. T'as rien besoin de tuer quasiment, tu peux y aller. Le timer de Théum est en avance. T'es sûr que t'es pas sur du RTA? Ah non, là je suis sur in-game time. Bon, j'ai peut-être fait plus de Seven Quit alors, je sais pas. Enfin, écoute, je suis. Ah, je suis peut-être RT, écoute, on verra. C'est pas très important, je peux changer ça au pire prochain quit out. Enfin, vous pouvez speedrunner ce jeu sur Xbox ou PS3, hein, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable sur Alors PC. vous Hein. pouvez, mais vous pourrez pas faire justement ce fameux skip qui a été trouvé récemment sur PS3. Si, si, Bah, si. Le Sense Gatekeep, tu peux. ah pardon, ouais, tu parlais de celui-là. Oui. Ouais, excuse, excuse. Mais bon, on vous déconseille quand même de runner sur console, hein, parce que les temps de chargement, c'est quand même autre chose. Alors là, première fois qu'on utilise le move swap. Donc, si vous avez déjà utilisé la Drake Sword, vous savez que le moveset, c'est pas celui-là. Donc, en fait, c'est l'attaque de la. Alors, la Mailbreaker, j'ai aucune idée du nom en français. Le per, le, ah, le Casseuse de perce, le maille. perce, le perce-maille. Le Percemaille, ouais. perce-maille. Et donc, ça fait une double attaque. Donc, on arrive à attaquer en faisant le double de dégâts. Et bah, tant qu'on joue au corps à corps, en fait, on va faire ce glitch, hein, tout simplement. On va utiliser ça sur. Voilà. Tous les boss qu'on va faire au corps à corps, donc c'est une grande majorité quand même. Ça fait des dégâts de fou, parfois Ça double les dégâts en gros. ça stagger aussi les ennemis assez souvent, enfin c'est génial. Et ça marche que sur les attaques où vous courez ou alors après les après une roulade. Ah non, je suis bien en in-game time hein, si jamais. Eh ben. Il a combien ton split, Gargouille? 8,56. Ah, moi je suis à 8,51. C'est Ouais, ça va. chelou. Ouais, mais t'as fini avant quoi. C'est vrai. Bah t'as pris le quit out dans l'asile? Ah oui, je l'ai fait, ouais. Ouais bah voilà, c'est ça. Tu l'as pas fait toi? Non. Et puis j'en ai fait un en plus dans le Underbury. Ok, Après ok. la bombe du premier chien là, j'ai fait un quill out en plus. Ok, ouais. Comme ça, il n'y avait pas de chien qui me pourrait derrière quand je ramassais la Mailbreaker. Ouais, t'as meilleur temps d'être extra safe. Ah ouais, non mais. En Mais fait, de c'est qu'on a. toute façon. J'ai fait une race hier et je suis mort dans le Hornenburg, donc j'étais là, ok. Ah ouais, non, mais c'est. Ça arrive tout le temps, hein. Bien content que ce soit bien passé, là. Alors, le flower skip. Oh putain, je l'ai eu. Ce skip là, ce saut, je n'y arrive pas. Je crois que je Je l'ai vais être le raté. plus nul à ça, mais. Ouais, je l'ai raté. J'ai piqué ta RNG. On dirait pas, mais il est chaud ce saut. Ouais, je le comprends pas personnellement. Oh, il m'a fait la pire attaque. Ça sauve juste le temps de faire le tour en fait. Hein. Voilà. Donc, ouais, là, on va juste chercher le bouclier végétal, je Végétal. crois, Ouais. qui régène un peu la stamina, ça peut aider un peu. Et on va chercher Alors l'anneau. on a quelques viewers anglais qui Hey, passent. Brood. Donc on va récupérer l'anneau le plus pété du jeu. Exactement. Si vous vous demandez pourquoi on fait des dégâts de taré pendant le speedrun, une grande majorité de ces dégâts, c'est par l'anneau qu'on utilise. Qui est donc l'anneau de pierre, l'arme rouge en français. Et je m'en suis souvenu. Bien joué. Et cet anneau, c'est la raison pour laquelle les speedruns de Dark Souls 1, c'est trop cool. Exactement. C'est parce que c'est un anneau qui augmente les dégâts. Ça dépend. De votre arme et tout ça, ça augmente en général entre 50% et 150%, donc ça c'est énorme. Mais il faut Pas être mal. en dessous de 20% de points de vie. Donc Exactement. Donc ça veut dire qu'on va en fait jouer quasiment tous les boss à un hit de la mort quoi. exactement. On donne droit à l'erreur. Mais en contrepartie, bah on va faire super mal. Baguette, baguette. Hey guys. Comme l'anneau du rat dans Demon's Souls, ouais. Cet anneau, il est dans tous les jeux Souls, hein, mais c'est vrai qu'après le 1, c'est devenu beaucoup, beaucoup moins puissant. Bon, il est toujours utilisé dans Dark Souls 2. Hein.
Dans les speedruns de Dark Souls 2. Ah c'est vrai, excuse Ouais. alors. Je me rappelais qu'il était pas si ouf ouf. Dans Dark Souls 3, c'est hyper chaud de l'utiliser, de toute façon. Alors voilà le skip que Capitaine a trouvé. Et je l'ai pas passé. Non, je l'ai pas eu. Merde. Alors celui-là, il va être marrant à expliquer. Ouais. Donc on approche, on amène cet ennemi sur les escaliers. Et on va lui faire une parade pour que pendant l'animation de la parade, ma main aille en dehors de la map. Voilà, comme ça. Et dû au fait que ma main soit passée en dehors de la map, le jeu pense que je vais mourir. Et donc il active cette caméra où le jeu pense qu'en gros je vais mourir bientôt. Mais en réalité, c'est pas le cas. Et dans cet état-là, le jeu arrête de charger ou de décharger des nouveaux items dans le jeu. Donc, qu'on va maintenant se rapprocher de la forteresse de Senn. Le jeu ne va pas charger la porte qui est censée nous empêcher d'y passer. Parce que le Normalement, jeu pense qu'on va mourir. Voilà. Donc il est dans un état où il arrête de recharger des nouvelles choses. Des nouvelles choses. alors que normalement, bah là, fallait sonner les deux cloches pour pouvoir ouvrir la porte. C'est quand même plus simple de juste passer au travers. On fait un save and quit, et maintenant, hop, on est dans la forteresse de Senn, et la porte, bah, est toujours fermée. Sauf que maintenant, on est derrière la porte. Et voilà. Donc, ce skip sauve 2 minutes, parce que, étant donné qu'on n'a plus besoin de tuer Quillag pour accéder à Norlando, on ne fait plus qu'un seul voyage pour aller voir Quillag. C'est-à-dire qu'on le fait, on la tue en même temps qu'on va faire le Bed of Chaos, en fait. Donc, on n'a C'est pas besoin de parfait. faire le chemin entre Lichfeu et Quillag 2 fois, comme on devait le faire avant. Parce Donc, qu'évidemment, bah ouais, perdait beaucoup de temps quoi. exactement. Ce skip sauve aussi 2 minutes en Any% pour une raison complètement différente en Any%. En Any%, c'est qu'on n'a plus besoin de tuer les gargouilles. Et le skip n'est pas utile pour le Any% Kinskip, qui est donc la catégorie la plus courte, si jamais vous connaissez. Donc c'est que utile en All Boss et en Any%, et ça sauve à peu près la même durée dans les deux. Le skip est très impressionnant, mais il est assez facile à faire. Il est vraiment Ouais, très facile à faire. alors, une fois que vous savez parer et que vous savez à quel pilier aller, c'est vraiment simple. Hey, Ivan! Alors là, c'est comme on vous a expliqué, je fais exprès de me faire toucher par le piège, et ça me met en dessous de 20% de PV, pour pouvoir activer l'effet de l'anneau, et c'est pour ça que maintenant, bah, je brille. Oui, voilà, de Ouais, briller, vous c'est pouvez voir normal. que l'anneau est activé avec le petit icône violet là, en dessous de la barre de vie. Ça veut bien dire qu'on est en hyper mode. Ah ouais, c'est vrai qu'en France, ouais. Je Ouais, sais enfin. que Exerve avait l'habitude de l'appeler l'hyper mode. C'est Personnellement, ça, je pense que ça vient de là en fait. j'ai personnellement jamais entendu personne d'autre à part que Exerve appeler ça l'hyper mode. Mais étant donné que Exerve est pas mal connu, du coup pas mal de gens connaissent ça sous l'hyper mode. C'est ça, référence. Alors non, on est sur la version current patch. Voilà, Dark Souls 1, ils ont pas, il y a un moment ils ont arrêté de le mettre à jour et du coup non, on est sur current patch. Vous prenez le jeu sur PC et vous pouvez faire la même chose que tout ce qu'on fait ici. Hop, on refait le move swap. Ça, je vais pas l'expliquer à chaque fois, hein, mais on va le faire tout le temps. Ouais, quand vous nous voyez avec notre arme à deux mains dans la main gauche, ben ça veut dire qu'on a le move swap activé. Et on va passer au golem. Il y a l'icône de Discord en haut à gauche si vous voulez voir qui est qui, quand on parle. Donc comme vous me voyez parler, normalement mon icône s'active en vert. Ça doit pas être super grand parce que c'est... Mais voilà. Donc moi c'est Capitaine Tonon si jamais. Moi, c'est Tiom. Bon, bah jusque-là, tout s'est bien passé. Pour moi, en tout cas, je sais pas pour toi. Non mais ça va. Hein. Tu prends Ok, le feu nickel. d'Anorando ou... Ouais, moi, je le prends, écoute. Moi je vais pas le prendre. Moi, je vais prendre le feu, là, mais franchement, il n'y a pas vraiment de bonne raison de le prendre. C'est juste que, voilà, C'est. j'ai Ouais. peur de mourir. Ça peut arriver, c'est très, très rare. Moi je vais pas le prendre, mais on en aura quand même besoin à un moment. Et en fait, on va utiliser. C'est. Ouais, c'est la façon dont se comporte le jeu après qu'on ait tué Priscilla, vous verrez. Où le jeu en fait va nous donner le Bonfire alors qu'on ne s'est jamais reposé dessus. Donc en fait on n'a pas besoin de le prendre parce qu'on va s'y téléporter automatiquement plus tard dans la run. Donc ça nous permet de passer à côté quoi. Alors, en contrepartie, je vais prendre le feu avant Gwendoline.
Donc Ah ouais, quand même, hein. le feu, je sais plus lequel, comment il s'appelle en français, mais enfin voilà quoi. Gwendoline. Non, le. Il Ah, s'appelle. Ah, ouais. il s'appelle Autant. Gwendoline en français? Ouais, je C'est crois, pas écoute. Gwendoline aussi? J'avais rejoué en français il y a pas longtemps, il me semble que c'était Gwendoline. Je sais que Guinevere c'est Guenièvre, mais sinon. Oui, c'est vrai. Voilà, alors un endroit que les gens aiment beaucoup dans leur premier playthrough. Ouais, à Orlando, c'est vraiment sympa. Il y a beaucoup de fun ici. Attends, je vais essayer de me la péter. Non! Tinamou Rafters. Ouais, j'ai pas réussi. Ah, moi, j'ai beaucoup d'entraînement, je me Ce suis essayé. petit saut à la con, c'est un mime en gros, mais voilà. Ouais. C'est un skip je sais pas, qui se sauve même pas tant de temps que ça, Mais, quoi. je crois même pas qu'il sauve une seconde. Hein. Ouais, ça Mais doit il est même pas cool. être une seconde. Si t'arrives Oui, à le placer, voilà. il est cool. Parce que le swag, c'est important. Alors non, on n'est pas dans la même pièce, non, non. C'est pour ça que le gameplay de Théom est un peu derrière, c'est parce qu'il stream sur ma connexion et moi je restream le tout. Je l'ai pas eu non plus. Désolé, Pat, vous ne verrez pas ce super skip aujourd'hui. Voilà, du coup j'active l'ascenseur deux fois et je vais déjà prendre ce bonfire maintenant. Bon, Théom va aussi le faire, hein, mais... Ouais, là je passe la fog gate si jamais. Je Ouais, rentre dans la bah lane de je bientôt. vois ton écran. Ah, ok. Bah oui. J'ai même pas pensé à faire ça. J'ai OBS ouvert. Hein. C'est de la triche. Alors les stats. 22 d'endurance, c'est le minimum qu'il me faut d'endurance pour pouvoir être en fast troll quand j'aurai l'anneau du FAP, que je n'ai actuellement pas. 27 de force, c'est la force minimum pour utiliser la dent dragon qu'on va ramasser bientôt. Et 10 d'intelligence, c'est parce que le magicien qu'on a libéré au tout début de la run, eh ben c'est un connard en fait. Donc Il parle pas au con. voilà, il ne parle pas au con, littéralement, dans le sens où si vous avez moins de 10 d'intelligence, le marchand refuse de vous vendre des trucs. Voilà. Il dit non, vous n'êtes pas assez intelligent, puis il refuse de vous acheter des trucs. Donc on est obligé de monter 10 d'intelligence au minimum. Et là seulement, ah là c'est bon, on est plus assez con, on est plus con. Je vois que tu as progressé, je peux enfin te parler. Donc c'est un élitiste. Comme beaucoup de gens dans Dark Souls, hein. Bonfire lit. So Slit lit. fam. Je crois que c'est Good Bubbles. lit, fam. Ouais, Bubbles, quand il a fait sa run à l'EGDQ, là, il avait aussi un mode Ouais, il pour avait faire. le... Ok, est-ce que tu peux silence? C'est les lances de foudre. Ok. Là, faut être silencieux, parce qu'on peut se prendre des lances de foudre dans la tronche. Et en gros, on peut les entendre, donc. Juste les esquiver, quoi. Ok, j'en ai pas eu. Oh, est-ce que. Je vais y être bientôt J'espère là. que l'archer va continuer à tirer des flèches. J'espère. Alors vas-y, je passe la foudre. Allez, vas-y, sors l'arc. Non, il veut pas. S'il avait continué à tirer des flèches, j'aurais pu le faire tomber avec ma Drake Sword, mais il a été sympa. Moi, il est jamais sympa avec moi, donc il y a de grandes chances que je puisse l'utiliser, la Drake Sword. Voilà, vous voyez là, j'ai pu esquiver cette foudre. Alors, Si vous fermez vos prêtez yeux, attention. je ne prends pas du tout ce bonfire, si jamais. Non, pas du tout. Non, non. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Mais non. Oh. Eh ben, j'ai failli crever sur l'archer, mais il est mort. Et j'ai pu vous montrer la Drake Sword, du coup. Ah ouais, tu l'as fait super loin, t'es un taré. Ouais, mais tu sais, je suis nul, moi. Et J'utilise au hasard ces objets. C'est la première fois que je joue. là, on récupère la dent dragon. Ouais. Donc on va utiliser la dent de dragon pendant bien ouf, 30 minutes. Ah ouais, largement 30 minutes. Je sais pas si c'est assez ça. Donc là de nouveau on se fait toucher on fait exprès hein, de se faire toucher. Ok cool, ça devrait être RTSR ça. Et maintenant le boss préféré d'absolument tout le monde. Si j'ai la bonne RNG, ça passe. Hein. Quand on a la bonne RNG, c'est facile, c'est tranquille, c'est dans la poche. C'est Ah ouais, clairement, mais gratuit. c'est le genre de combat qui peut aller dans les deux sens, vraiment. Ah, Il y a si un je petit rate peu le de moonshot. chance. Ok, il y a des chances que je crève à travers le brouillard. Ah bah ok, cool. J'ai pas fait le bon setup. Alors ça c'est assez rare, mais...
Tu t'es fait tuer par la Fogate? Oh non! Oh putain. Non, non, non. J'ai eu l'IA où ils ont pas bougé en fait. Ah ouais, c'est un peu flippant quoi. C'est rare ça, mais. Bon là j'ai fait de la merde, j'ai un peu YOLO comme un porc, mais ok. Bon. J'ai le pire setup du monde, mon dieu. Bon, c'est pas grave. Ouais, donc je me suis fait tuer par la sentinelle parce que... À part la sentinelle? Ouf. Ouais, j'avais un mauvais setup, c'était pas... Bon là j'ai un peu YOLO, mais... C'est pour ça qu'on prend le feu. Hein. Alors il y a un truc marrant avec ce boss, c'est qu'il a une façon de le combattre qui est unique à la première fois que vous le combattez en fait. C'est-à-dire que il y a une strat qui marche. Pardon. Pardon. Ça a l'air de bien se passer. C'est pas censé me tuer ça. Ok, bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis mort de dégâts de chute. Ah ouais, d'accord. J'étais... Quoi? Pardon. Alors ça, bon. Ok, ça. Bon bah voilà. Il me semblait... Que si t'es pas RTSR avant de tomber, tu ne pouvais ouais, pas mourir. Écoute, normalement, oui. Et bah, c'était. Bah, j'étais pas en RTSR et je suis mort. Bon. Question mark, yeah. La magie de Dark Souls. Ouais, c'est serré, on ah, fait ouais, de la je merde. Me suis fait tuer par Smoke. Donc voilà. Un fight plutôt sympa. Bon, bon on va la jouer. Bien sympathique. Alors il y a un truc super marrant dans cette route, c'est qu'on mid-roll en fait. Donc on est, je sais pas si vous êtes habitué mais à Dark Souls, mais on fait des roulades super lentes en fait. Alors, là, je m'écrase comme une vieille merde quand je fais mes roulades. Ça rend quand même les choses bien difficiles hein, pour ce genre de combat. Et ça c'est parce que la Dragon Tooth c'est super lourde et que dû au Sense Gate Skip, là, eh ben on ne voit pas le PNJ qui nous donne l'anneau pour pouvoir face roll. Donc on est obligé de mid-roll en fait, on n'a pas le choix. Honnêtement, c'est pas si mal que ça, ça va, on s'y habitue. Mais c'est chiant quand même. Je sais pas pourquoi je ramasse mes âmes, surtout qu'il n'y en a pas. Ok. Idéalement, on aimerait pouvoir tuer Einstein avant que Smo arrive, mais. Et voilà, là j'ai une bonne RNG et tranquille. Ouais, je me suis fait encore tuer. Voilà. Et Super Smo. Le fight Crapple Mage. Voilà, lui on le stunlock, tranquille. Voilà. Du DS jusqu'à la fin de la soirée, mais ça pourrait arriver, hein. Il suffit de mourir un peu. Ouais le move swap c'est chiant mais faut y passer quoi. C'est vrai que c'est. Une fois que vous avez le timing ça va beaucoup mieux mais ça prend une tonne de temps à apprendre. Puis c'est un glitch qui est présent partout quoi. Donc c'est vrai que si vous le maîtrisez pas bah vous êtes un peu foutu quoi. Ouais. C'est un peu une étape obligatoire où on passe toute une soirée entière à faire que ça. Ou Infest Opening, je suis pas fan, la foudre. Qu'est-ce que je fais? Je suis pas censé warp ici. Aléatoire non plus. Master. Dark Moon Tomb. Alors, la raison pour laquelle on fait les boss qui sont à Orlando aussi tôt, dans les anciens speedruns, on les faisait pas aussi tôt. Mais la raison ici, c'est que on a besoin d'améliorer la Dragon Tooth, donc la dent de dragon. Et un matériel pour l'améliorer est disponible dans le monde d'Ariamis. Ce qui nous permet d'avoir une Dragon Tooth en plus 2 au lieu d'en plus 1. Et ça aide à mort quoi. N'importe quoi. Putain. J'arrive pas à Moussa. T'en es où là en fait? Tu les as battus, c'est bon? Ouais, je suis à Gondolin. Purée. Je galère là un peu. Ça va le faire. Un peu de chance. Oh là 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 là, faut tellement être lent. Bon. Alors il y a un truc très marrant, hilarant même, je dirais. C'est que si on a une armure, faut être beaucoup plus lent pour move swap.
Le move swap est plus. Enfin, quand on a l'habitude, le move swap est plus facile quand on est à poil. En gros. Ah ouais, clairement. Hein. Du coup, je me remets à poil. Voilà, j'ai fait mon move swap et je remets mon armure. J'essaie de me concentrer un peu plus. Alors, le setup RTSR ici, toujours cool. Voilà. J'avais besoin de l'armure pour ça. Hein. Voilà. Donc, je me fais exprès de me prendre cette attaque et ça ne me tue juste pas. C'est le setup RTSR pour ce boss. Oh merde, 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 merde. Ah, ok. Là, j'ai besoin qu'il me fasse une bonne attaque. Alors, ça, ça. Putain, j'ai. Ok, je me concentre pas sur ce que je fais là. J'essaie d'expliquer et je fais pas gaffe. Ouais, c'est pas facile, hein. Surtout que c'est. Ça, c'est un des boss qui a le plus d'RNG du jeu. Parce qu'on a besoin qu'il nous fasse la bonne attaque. Mais là, je fais mais de la merde. Désolé. Hein. Bon, voilà. Wenas down aussi. Ça a pris un peu beaucoup de temps, mais voilà. C'est pas trop grave. Oh, c'est bien. Je YOLO le DLC pour me rattraper, ça ira bien. Je vais y arriver. Ok. Du coup, faut que je récupère mes âmes. Ça, cette attaque, c'est la pire. On peut rien faire. Je dois me mettre derrière le pilier et c'est tout. Voilà, ah ouais, c'est la meilleure RNG. Allez, l'attaque qu'on a besoin, c'est celle-là, là où il tire des flèches. C'est la seule qui nous permet de nous approcher grandement. Et là, j'ai besoin qu'il me la fasse encore. Donc là, bah, je reste là et j'attends. S'il ne fait pas la bonne attaque, je peux pas avancer. Si j'essaye de me rapprocher de lui, là, il va se téléporter en arrière. Et il faudrait faut recommencer, en gros. Voilà, là, il fait pas. Et là, je peux me rapprocher. Donc ce boss, vous pouvez facilement perdre 20 secondes, 30 secondes. Vous avez rien fait de faux, c'est juste le boss. Ouais. Qui a envie de vous faire chier, et s'il a envie, bah il le fait. Puis ce qui est cool, c'est que ça vient juste après ONS. Ouais, c'est si assez tôt. Si vous avez eu un super fight sur ONS, bah vous pouvez juste pleurer, quoi. Enfin, c'est... Rien d'autre à faire. Bah dans les anciennes routes, on faisait ce boss presque avant le boss de fin. Donc c'était... Bah, tu pouvais passer une heure sur ta run, et tout à la fin... Bah ta run meurt, j'ai dit non. Alors ça c'est le PNJ, on avait besoin de level up l'intelligence. Par contre, faut que je réponde oui à cette question. Voilà. Et maintenant, parce que j'ai 10 d'intelligence, il est d'accord de me parler et de me vendre des trucs. Du coup, la run commence petit à petit à se transformer en magie. Donc on va continuer à principalement utiliser la dent de dragon, mais on va utiliser de la magie à droite à gauche. Dont un sort très très utile, qui s'appelle chute contrôlée. Qui nous permet de faire des skips dans tous les sens. Et ça, on expliquera quand on fera le premier. Yeah, ouais. D'avoir un run killer vraiment à la fin, c'est chiant. Mais du coup, cette run a pas ça. Donc c'est, enfin, il y a un skip ultra chaud vers la fin, mais c'est ah pas, ouais, c'est, ouais. Il est pas RNG. Donc. Mais c'est quand même un petit peu un run killer. Hein. C'est un run killer, mais c'est tu contrôles le truc, quoi. Ouais, clairement. Si tu t'entraînes, ça peut passer, quoi. Au moins. Donc là, on attend. Si je retourne ici, c'est pour pouvoir me faire Priscilla. Et j'ai besoin d'une poupée qui est dans la cellule de base du jeu. Donc là, on a commencé la run. Maintenant, on retourne au même endroit. Et on a besoin d'un item qui nous permet d'accéder à une zone optionnelle. Et cette zone optionnelle, on a besoin, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour pouvoir améliorer notre dent de dragon. Donc c'est pour ça qu'on fait ce boss maintenant. Putain, merde. Ok. Non. Ok. Ce boss est un peu chaud à maîtriser, mais ça va. Bon, là, c'était ouais, super lent, mais... Selon les attaques, ça peut être super lent, quoi. Faut juste pas se précipiter, parce que c'est assez facile de se faire avoir comme ça. Pour la plupart des boss, d'ailleurs. Ça fait partie du jeu, un peu, de nous tenter à attaquer au dernier moment, puis se faire tuer juste à la fin, quoi. Toujours plaisir. Évidemment. Merde. Bon là c'est pas bien, mais j'ai tué le chevalier noir et il m'a donné son épée. Et j'ai vraiment pas envie qu'il me donne son épée. Merde. Non.
Alors, Oh, j'ai vu ça en drôle. comme j'ai expliqué tout à l'heure, les dégâts de taré viennent et du glitch qui me permet de doubler les dégâts parce que j'utilise le moveset du perso-mail qui est dans ma main droite. Et à cause de l'anneau RTSR qui augmente mes dégâts quand je suis en dessous de 20% de PV. Mais c'est vrai que l'arme est aussi bien par elle-même. Hein. De elle-même, je sais pas. Donc ça, c'est une partie vachement Ah, difficile de j'ai eu run. peur. Donc le monde d'Ariamis, c'est ça peut être très très chiant. Ouais. Parce que la manière dont on va tuer le dragon sur le pont, c'est super précis. Et c'est facile de perdre la run là-dessus, quoi. Et le setup RTSR est vachement chaud aussi. Donc je vais faire exprès de me faire toucher par cet holo ici, s'il veut bien. Voilà, comme ça. Après, il faut que j'évite tout le monde sur le chemin. Faut que je me fasse toucher en courant par cette flèche. Donc je marche en arrière et je me prends la flèche. Voilà. Et maintenant, il faut pas que je crève sur ces deux mecs qui sont les plus chiants. Ok, c'est bon. Ouais, c'est vraiment un segment pas facile, hein. Le monde d'Ariamis, c'est il y a énormément de trucs à faire, faut faire gaffe à tout, super précis. Donc là, c'est le dragon. Donc je vais faire un save and quit pour pouvoir reset son animation parce que il... Oh putain. Si je rate le move ça va pas le faire d'abord. En gros, il a une animation qui est super longue pendant laquelle il va se réveiller et on va le tuer pendant cette animation. Du coup, si on save and quit, bah il recommence l'animation à chaque fois. Putain, mais j'arrive pas à move swap, sérieux? Voilà. Tout va bien, tout va bien. Voilà. Oui, Donc je c'est me un mets speedrun ici. opti complètement. Bah le record du monde est avec cette route. Et c'est la route la plus rapide. Pour l'instant, en tout cas. Donc ça utilise et le corps à corps et la magie. Donc la route uniquement à la magie, qui était connue sous le nom de Crapple Mage, ce Ouais, n'est plus on l'a la fait route la l'année plus rapide. passée. Voilà. T'as même pas du tout fait l'attaque, cet enfoiré, hein. Alors attends. Je vais équiper ça et je vais aussi déséquiper. Voilà. Ah ouais, pas de move swap. Alors, me demandez pas pourquoi ce dragon se lève qu'on fait une attaque sautée dessus, mais voilà, il le fait, c'est tout. C'est comme ça. Voilà. Faut demander à Miyazaki, pas à moi. Alors là, ce boss va devenir invisible quand je l'attaque. Et c'est pour ça que je l'attaque avec une flèche. Comme ça, bah, si je vois une flèche qui vole, elle est où? Là, voilà. Là, il y a une flèche qui vole. Donc je sais que le boss est là. J'ai anti-dragon, mais là j'ai foiré par exemple, il fallait absolument que je quitte le jeu parce que ça allait pas le faire. Il faut vraiment être précis dans ses attaques, hein. Pas en rater une seule. Merde. Ah oui, j'ai Et droppé la voilà. sword. Et là, comme vous pouvez le voir, il me ramène au feu d'un Orlando. Alors que bah, c'était pas mon dernier feu. Et c'est une des raisons pour laquelle on peut ne pas prendre ce feu en Faire cette fait. attaque. Oh, le menuing. Pas de move swap non plus. Ça y est. Donc on améliore la Dragon Tooth en plus 1. Et on achète la clé d'Artorias, je sais pas comment ça, le sceau d'Artorias. Donc c'est pour pouvoir ouvrir la porte dans la forêt. Et on achète la Weaponsmith Box qui nous permettra d'améliorer la Dragon Tooth en plus 2 par nous-mêmes en fait. On n'aura plus besoin du forgeron. Frank Z. Frankie. Cool people and brood. Non, franchement, j'ai essayé une fois de speedrunner avec le jeu en français et j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Parce que je suis Ouais, moi habitué, ça les me noms des perturbe armes, aussi. les noms des menus, tout est en anglais et en français, j'y arrivais pas quoi. Ouais, il y a un peu de. Bon, il y a quelques anglophones qui se ramènent. Vous en faites pas, ils mordent pas. Ils sont gentils normalement. Bah vous avez... Ouais.
Pas mal de runners justement qui regardent. Donc là, je commence déjà à monter mon intelligence jusqu'à 20. Et j'attune les deux spells que j'avais achetés. Donc j'assigne, je sais pas comment dire. Ouais, j'assigne. Et là, on va faire le premier Fall Control Skip, je sais pas comme ça. Ouais. Donc on va utiliser, c'est la raison pour laquelle on a utilisé, on a acheté Chute Contrôlée. C'est un sort qui, à la base, est prévu pour si vous faites une chute qui n'est pas mortelle. Bah vous prenez pas du tout de dégâts, mais ça ne vous protège pas en théorie des chutes mortelles. Je dis en théorie parce que quand vous utilisez ce sort, le jeu vous laisse beaucoup plus de temps pour quitter le jeu. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la chute mortelle. Et juste avant que le jeu nous tue, pour de vrai, on va quitter le jeu en fait. Et ça va sauvegarder notre position. Donc là, hop, je saute. Et en même temps que je meurs en touchant le sol. Je quitte le jeu. Et ça nous permet en fait de respawn en bas. Ça, ce skip là, bah on va l'utiliser quand même à pas mal d'endroits plus tard aussi. Et ça sauve beaucoup de temps. Alors là par Ouais, contre ça c'est. c'est... Alors vous vous demandez peut-être pourquoi on tue une hydre. Ce n'est pas un boss. On en a besoin pour le DLC en fait. C'est un passage obligatoire pour pouvoir accéder au DLC. Donc on est obligé de la tuer cette hydre. C'est pas un boss parce qu'il n'y a pas de barre de vie en dessous, donc. Mais on a aussi besoin de la tuer parce qu'elle nous donne de quoi améliorer notre dent de dragon. Dent de dragon. Parce que là, elle est en qu'en plus 1, ma dent de dragon. Et Donc donc, elle fait pas très mal quoi. je pourrais la mettre en plus 2 grâce à ce kill. Bon, Fast Hydra est passé pour moi. Bien joué. Donc Alors moi, ça, on dirait pas, mais c'est... La façon dont j'ai tué l'hydre là, c'est vachement chaud. Bah vous allez voir avec moi de toute façon, c'est l'ennemi qui tue à peu près 80% de mes runs. J'y arrive pas, je comprends pas. Donc petit bonheur la chance, peut-être. Je n'arrive pas à On va voir monstre. ça. Ah oui, Ah bah j'ai les raté. speedruns all boss, c'est toujours avec le DLC. Sur Dark Souls 1, en tout cas, les speedruns all boss sans DLC, ça se fait pas. Ça pourrait, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ça n'a pas du tout d'intérêt même. Étant donné que le DLC, c'est clairement la meilleure partie de ce jeu. Ça, il n'y a pas photo, même pas speedrun, hein, je dis, de manière générale. Faut jouer... Si vous jouez à ce jeu... Jouer avec le DLC. Ah ouais, non, clairement. Il y a les meilleurs boss, enfin. Bon, si vous jouez sur PC, vous l'avez automatiquement. C'est pas possible d'acheter le jeu sur PC sans le DLC. Ouais, Donc. ça n'existe pas. Bon, Hydra, je suis pas mort, je suis content. Bon, là, rebelote, hein. On fait exprès, on se fait toucher. Pour de nouveau setup RTSR. Moi, je vais faire Sif. Ah bah, je vais tuer le golem. Et oui, n'oubliez pas de bourrer les dons, hein, c'est aussi pour ça qu'on est là. Ouais, faites péter la carte bleue Bientôt la comme. fin du marathon, donc. Bourrez ça. Donc Sif, c'est un boss qui peut être vachement chiant, surtout de se le faire avec un move swap. C'est pas super intuitif. Et c'est très facile de complètement rater ses attaques et de passer complètement à côté. Et il y a aussi un truc, c'est que Sif, quand il saute, il peut vous faire des dégâts juste en fait le fait qu'il saute, ça vous fait des dégâts. Et ça peut, si vous avez vraiment pas de chance, c'est qu'en plus de ça, vous jouez mal, ce qui, bah, ça arrive, hein. Bah, il peut vous tuer simplement parce qu'il saute, en fait. C'est un peu con, mais... putain, mais... J'arrive pas à move swap, c'est un truc de malade. Ouais, le move swap, c'est vraiment un truc. On a le réflexe de le faire par habitude, mais il suffit d'être un tout petit peu décalé, puis ça casse tout. Enfin, ça devient super difficile. Ça arrive vraiment à tous les runners, hein, ça, y a des petites périodes comme ça. Vachement belle RNG sur Sif. Oh putain, j'ai foiré, bon, tant pis. J'aurais pu le tuer là, mais j'ai fait un peu de la merde. Du moment que t'es pas mort, écoute. Prove it, please. Alors maintenant, attendez, 2 secondes. 23 d'intelligence, Lichefeu, on équipe l'arc, le ring swap. Ok. La raison pour laquelle on fait les 4 rois aussitôt,
C'est parce que, à cause du skip qu'on a fait au tout début qui nous permet de pas tuer Kulag, en fait on a pas sonné les cloches. Donc Frampt, ou je sais pas comment, Frampt, le serpent qui a les cheveux, qui vous permet normalement d'accéder à l'hôtel de Licheveux, parce qu'on n'a jamais sonné les cloches, il se réveille pas. Et on a absolument besoin d'aller là-bas, mais on peut pas utiliser le serpent qui a les cheveux. Du coup on va utiliser l'autre serpent, qui apparaît après les quatre rois. Et c'est pour ça qu'on fait les quatre rois aussitôt, c'est pour pouvoir se débarrasser des brouillards jaunes, des brouillards d'or, je sais pas. Qui sont des brouillards qui vous empêchent d'accéder à des zones tardives du jeu. Et on a besoin de se débarrasser de ces brouillards. Et le seul moyen qu'on a. Putain merde, j'ai pas envoyé l'ascenseur. Le seul moyen qu'on a d'accéder à cette zone, c'est de faire les 4 rois. Mais Cathy, oui. Caf, comme on Casse, dirait. ouais, je sais jamais comment le dire non plus. Cat en français, on pourrait appeler. On l'appelle Cat. Cathy. Donc là, de nouveau, j'ai équipé le sort chute contrôlée. Et je vais faire donc un skip qui s'appelle le Seal Skip. Donc il y a de la flotte partout. Normalement, on est censé baisser le niveau d'eau. Mais nous, on va pas faire ça parce que c'est un peu chiant. Du coup, on va juste sauter dans l'eau. Je suis censé mourir. Mais parce que, même chose, parce que j'ai équipé le sort chute contrôlée, bah, ça ne me tue pas en fait. Donc voilà, là, je suis en dehors de la map, dans la flotte. Et je peux simplement me laisser tomber dans le l'arène des quatre rois sans avoir baissé le niveau d'eau. Ça, c'est un skip qui est assez vieux, mais qui est toujours vachement cool si on le connaît pas. Et maintenant, on va. Vous allez voir que je suis très mauvais, je n'arrive pas à compter. Parce que c'est les quatre rois, mais que bah, je vais pas en tuer quatre. J'espère. J'espère que Ouais. j'arrive à en tuer que deux. Je reste discret personnellement, je sais jamais avec ce fight. Voilà, premier roi, ça s'est bien passé. Donc en fait, le truc, c'est que on est censé avoir 4 rois, mais les 4 rois partagent leur barre de vie. Donc si on fait énormément de dégâts à un seul roi, bah ça attaque la même barre de vie en fait. Donc si on arrive à faire énormément de dégâts, on peut finir le combat en n'en tuant que deux. Techniquement, c'est aussi possible d'en faire en n'en tuant qu'un, Oui. mais c'est pas rapide en speedrun en fait. Ça prend beaucoup trop de temps à C'est faire. ça en fait. Et du coup, c'est mieux de simplement ne pas le faire, quoi. Donc on se prend deux rois à la place. Voilà, j'ai réussi, cool. Bien joué. Et du coup, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant il y a ce serpent qui apparaît. Qui est donc Kikath, je sais pas. Et bah, lui, il va m'amener au sanctuaire de Lichefeu. Faut pas lui dire non, par contre, c'est très important. Ah ouais. Il nous pose une question, si on lui dit non, c'est foutu. C'est moi qui arrive plus à move swap là. Et voilà. C'est parti. Et maintenant, ça me permet d'aller faire la caverne de cristal. Parce que la caverne de cristal, justement, aurait été bloquée par un brouillard doré si je n'avais pas été allé poser le calice d'âme. Donc je suis obligé de faire ça. Si, on utilise toujours la magie, mais plus tard. En fait, c'est un mix. On va utiliser la dent de dragon jusqu'au DLC, et après le DLC, on va utiliser la magie. Donc voilà, c'est le la porte ici en fait, elle aurait été bloquée autrement. Donc c'est pour ça qu'on a fait les 4 heures aussitôt. Bon, ce segment normalement c'est voilà, c'est pas trop compliqué. Bon, il y a le Duke Skip qui est très très connu. Mais sinon, bon, il y a un nouveau skip aussi qui a été découvert il y a quelques semaines. Je vais pas le faire. Ça sauve que 7 secondes et si on le rate, bah c'est la mort quoi. Donc voilà. Mais c'est un skip assez cool, qui est aussi en utilisant chute contrôlée. Mais voilà, c'est que 7 secondes donc. Et je l'ai pas practice donc. Ok, Two Kings aussi, ça fait plaisir. C'est un peu lent, mais au moins on n'est pas mort. Surtout, non. Oh, j'ai failli dire non. J'ai failli dire non. J'ai Un utilisé un os petit. du retour, je me suis pas reposé au calice royal parce que je veux que mon dernier feu utilisé, ça soit celui qui est dans la forêt. Parce que c'est un feu auquel on ne peut pas se téléporter. Donc tu peux pas depuis un feu te téléporter à ce feu. Et c'est le feu qui est le plus près du DLC en fait.
Ah merde, j'ai pas enlevé le... Oh putain. Ok. Tout va bien. Donc vu que après avoir tué ce boss-là, j'ai envie d'aller me faire le DLC. Si je m'étais téléporté avec le Calice Royal, j'aurais dû remarcher de la paroi des morts vivants jusque à la forêt. Ce qui perd du temps. Alors moi je vais le faire ça, par contre je pense prendre ce feu parce que practice. Alors ça. Pas de mourir. Le Duke Skip, hein, ça vous connaissez je pense. C'est très impressionnant mais c'est vieux. Donc voilà, maintenant on a l'habitude, hein, voilà, c'est ennuyeux comme skip, voilà. Pff, oh là là. Oh là là, ce skip existe depuis 2011. Pff, oh là là. Mais c'est vraiment un bon skip, hein, parce que ça vous empêche de mourir à Sith. Ça skip énormément. Ça sauve genre 4 minutes. Hein. Ça a l'air de rien comme ça, on saute juste sur un ascenseur, mais ouais, ça sauve énormément de temps, quoi. Et ça a l'air de rien, mais ça m'a pris des heures pour y arriver. Vous ouais, aussi, voilà. Et ça pour tous les speedruns, hein. Ça a l'air facile, mais c'est en général pas si simple. Bon, le sanglier, là, il va me lâcher un peu. Ouais, easy peasy, exactement. Alors voilà, parce que nous on est cool dans la communauté Dark Souls. Oui. On donne des noms à des skips un peu bizarres. Ou des techniques. C'est pour ça que je vais faire une chute ici qui littéralement, comme on le dit en anglais, ça s'appelle le saut de la virilité. Voilà. C'est une façon de tomber que tu fais que si t'es viril. Voilà. Essaye de tomber à gauche ici. Donc ça c'est. Voilà, c'est pour setup RTSR. Et c'est assez facile de le rater, mais dès que tu sais où il faut sauter, c'est bon. Mais voilà. Ce drop s'appelle le manly drop en anglais. Donc si vous le faites pas, sachez que vous n'êtes pas viril. Voilà. On est comme ça dans la communauté Dark Souls. On se moque des gens qui osent pas faire des skips. Vous se moquez un petit peu, ouais, toujours. C'est important. Ouais, je l'ai loupé. Alors là, il y a une technique un peu chiante, c'est que les ça s'appelle comment, les clams? Ça s'appelle des palourdes, je sais pas. Ouais. Ces salauds peuvent vous suivre dans l'arène du boss. Donc la façon dont je me suis déplacé là est censée faire en sorte qu'il n'y en ait aucun qui me suive. Sauf que ça peut arriver qu'il y en ait qui me suivent. Ah ok, Brute s'est fait purge. Ouais, il était en caps lock. Ah ouais. Pas bien ça. Bon bah voilà, y en a aucun qui m'a suivi, donc c'est bon. Hein, pourquoi je prends beaucoup de retard là sur Duke Skip. On disait, hein, ça a l'air facile, mais c'est pas. J'ai encore un peu du mal, franchement, avec ça. Je sais pas ce qui est arrivé à mon dupe, mais. Ça veut dire que je le fais mal, mais bon. Ouais, des coups qui s'enjacquent, je sais pas. Alors, la première boss que je vais tuer avec de la magie, parce que actuellement je suis au corps à corps, mais j'ai besoin de tuer le prochain boss, qui est donc le papillon, et qui, comme son nom l'indique, c'est un papillon. Merci Antoine. Autrement dit, il vole. Il faut le préciser. Voilà, non, faut préciser. Donc on a besoin de magie pour le tuer. C'est une des raisons pour laquelle on achète les grandes masses d'âmes, je sais pas. Les Heavy Solaro. C'est pour pouvoir tuer ce boss. Donc moi je vais perdre pas mal de temps là, mais je vais prendre ce feu quand même. Pour moi, depuis Honest, là, ça va, la run va bien. Ouais, moi ça va, écoute, pas mort, mais... Duke Skip, ça m'a quand même pris 3 essais. Pas envie de perdre trop de temps sur ce segment donc. Ok, j'étais trop tôt. Bon, je vais la jouer safe. Je crois que j'ai dupliqué l'âme de Sif 2 fois avant que le boss arrive. Et en fait, je l'ai fait trop vite. Ce qui fait que mon timing a fait en sorte que j'ai tiré la première âme sur le papillon et le papillon était encore invincible. En fait, c'est un peu con, mais le papillon il descend d'une tour. Il y a une tour à ma droite là. Et il est posé en haut, et en fait, pendant qu'il fait sa descente, il est invincible. Ce qui est pour ça que. C'est la raison pour laquelle je duplique des âmes en attendant qu'il arrive. Et là, j'ai tiré trop tôt. Du coup, ça lui a rien fait. Et c'est parti pour le DLC! Déjà. Vraiment la meilleure partie du jeu. Hein. Les meilleurs boss, les plus intéressants en tout cas.
Les plus stylés aussi. Ouais, franchement. Il y a aussi des tricks vachement cool, des skips vachement cool. Donc. Bon là je fais la même chose que je vais que quand je vais tuer l'hydre, hein. Donc je vais refaire le skip avec chute contrôlée. Exactement, aucun respect pendant le papillon, on n'a pas peur, on duplique des armes en attendant qu'ils viennent nous chercher. Ça c'est clair. Hein. Bon il se fait déjà un peu plus respecter que dans la route à la magie Crapple Mage. Ah ouais, non, dans Crapple Mage, c'était, je sais plus, il y avait même pas besoin de l'anneau RTSR. Non bah là non plus, on est. Ouais, enfin je veux dire, mais c'était 3, 4, 4 coups, je crois. Deux coups. Bah les Homing Soul Ah oui, il y Mass avait et deux Homing. Soul Spear. Salut Quand même Hammer. sympa. Oui, c'est une run au boss. Et d'ailleurs, je me dirige vers le DLC actuellement. Ah, le premier boss du DLC, ça va, il est pas trop chaud. Il a quelques subtilités. La stamina aussi, faut bien savoir la gérer sur ce boss. Il peut faire de la merde, mais bon, on lui fait tellement mal avec cette arme que ça va. Et puis une fois qu'on le connaît, franchement, y a pas trop de surprises. En fait, dès qu'on a une ouverture, il est mort, quoi, en gros, c'est ça. Faut juste qu'on ait une ouverture pour pouvoir l'attaquer, et c'est bon, c'est voilà, c'est foutu pour lui. Faut que j'équipe l'RTSR, voilà. Bon là il me fait des attaques bien pourries. Donc s'il me fait des attaques pourries, ben je me rapproche de la sortie en fait en attendant. Ça c'est des attaques bien. Ah ouais je peux me le. Oh j'ai foiré! J'ai foiré. Bon, ça arrive. De toute façon, moi je dois courir depuis Paris jusqu'à l'autre feu, là, vu que je l'ai pris quand même. Ah. C'est pas trop risqué ce que j'ai tenté, mais bon, j'ai foiré. En gros, ça, c'est une attaque où ouais, tu peux attaquer derrière, mais pff, bon. Disons qu'en marathon, si t'es pas con, tu le fais pas, quoi. Ah ouais, non. Autrement dit, je suis un peu con parce que je viens de le faire, donc. Ouais, Je peux te le permettre, hein. Ça va pas si mal jusque-là, donc. voilà, exactement. Ça va pas si mal, donc. J'ai rien pu faire. Rien qu'il a pu faire, C'est la première fois que malheureusement. ça m'a. J'avais la première fois que j'ai jamais vu ça. Non. Je suis pas le genre à accuser la chance. Oh bah au moins vous revoyez le skip avec chute contrôlée. C'est toujours sympa. Ah oui, ce skip-là a une particularité d'ailleurs, c'est que il est un peu plus difficile parce que je peux pas faire le 7 quid de manière traditionnelle. Étant donné qu'en fait je change de zone, c'est-à-dire que au moment où je fais le saut, je suis dans la forêt, et là où je meurs, c'est le bassin de Noirsouche. Donc je change de zone en fait, et le fait de changer de zone, ça peut fermer votre menu, donc ça peut vous empêcher de quitter sur Wii pour confirmer le fait que vous quittez le jeu. Du coup, je suis obligé de faire le 7 quid d'une manière un peu particulière pour empêcher le jeu de fermer mon menu. Bon, c'est pas. Mais voilà quoi. Ah, et rip le sub 80. Juste, je viens de perdre le sub 80. Vas-y. Ah merde. Ah, zut! Ça aurait été beau, ça aurait été beau. Ah, faut que je récupère mes armes aussi. Putain, j'aurais pu. J'aurais dû faire la technique Crapple. Toi, tu te laisses toucher par l'attaque du vent de. Le coup de vent Ouais, de. ouais. Ouais, Ouais, j'aurais ouais. dû. Ça D'habitude, marche je le fais super pas, bien. mais. Bon, voilà, vous voyez, hein, si j'ai une attaque qui me laisse. Où il me laisse. J'ai le temps, bah c'est bon, quoi, il se fait démolir. Hein. J'aurais juste dû jouer un poil plus safe et. Voilà. Bon, parce que marathon, je vais prendre le feu ici. Mais c'est un feu que vous ne prenez évidemment pas si vous faites des vrais runs. Enfin, Ouais, là on fait ça beaucoup de choses dépend. qui sont plus lentes que dans une vraie run, mais bon. Savoir que si vous mourez sur Artoria sans le prendre, vous devez courir pendant 5 minutes pour y retourner, donc pas de top pour un marathon. Là, j'achète un sort qui est vachement pété, qui est très pratique, qui s'appelle Hidden Body.
Et c'est un sort qui, quand je l'active, les ennemis vous aggro depuis beaucoup moins loin. Et dans le DLC, il y a énormément d'ennemis qui vous aggro de super loin normalement. Qui vous Ouais, pour ceux qui balancent ont joué au des. jeu, je pense que vous vous rappelez des sorciers. Hein. Voilà, ils vous balancent des sorts qui vous one-shot. Qui C'est sont la super merde. rapides, impossibles à esquiver, presque. Avec ce sort, ça va beaucoup mieux. Alors là, je vais essayer un skip qui s'appelle le Royal Boat Skip. Donc normalement, vous êtes censé passer à travers toute la forêt. Donc la forêt royale. Voilà, vous êtes censé partir à gauche et faire tout le chemin. Moi, je vais faire un skip où je vais prendre l'ascenseur à l'envers. Donc je vais utiliser chute contrôlée comme j'ai fait tout à l'heure. La particularité, c'est que je vais tomber sur un ascenseur. Et parce que les ascenseurs sont des parties amovibles du jeu, le jeu ne sauve pas votre position en fait. Donc vous ne pouvez pas simplement tomber sur un ascenseur et quitter le jeu. Le jeu ne va pas se souvenir de cette position. C'est pour ça que j'ai besoin d'un ennemi qui va me suivre. Donc je fais un setup super précis. Et j'attends que ce géant me suive. Je me concentre un peu. Ah, j'ai eu la mauvaise attaque. Ouais, je l'ai pas eu, je crois. Ah, je l'ai pas eu. Ah, c'est pas grave. Ah! Ce qui était censé se passer. C'est quoi, j'ai pris le bonfire? Je vais bonne back, je crois. Ah, tu réessayes? Ouais, j'ai envie de le faire. Pourquoi pas, hein? Au final, ça Dommage. revient à peu près au même si Bon, tu passes, je pense. je sais même pas si c'est plus long. Écoute, j'ai envie de le montrer, C'est. ce skip, donc je vais le retenter. Donc en fait, l'ennemi est censé tomber avec moi. Pour que sa hitbox me pousse en dehors de l'ascenseur. Ce qui me permet de quitter le jeu pour que ça sauvegarde ma position. Et ce skip sauve à peu près 40 secondes. Ouais, même plus, hein, Ouais, 35. je crois 45-50, je crois. Je crois que c'est 40 secondes. Je suis pas sûr. C'est énorme, et puis au Ça final, il est pas. sauve, ouais, ça sauve beaucoup. Ouais. Il est pas si dur à faire au final, une fois qu'on. En fait, il a deux. Le géant a deux attaques qu'il peut faire. Et il y en a une qui est, mais c'est gratuit quoi. S'il fait la bonne attaque, c'est super facile. Et s'il fait la mauvaise, c'est un peu plus compliqué. Et là, j'ai raté le. Alors, pour ce skip en particulier, c'est Distortion 2 qui l'a trouvé. Donc, un runner assez connu sur Twitch et qui fait Ouais. du Dark Souls 3 en ces temps. Et c'est lui qui a trouvé ce skip. Attends, pourquoi? Ah, mais quel con. Bah ouais, je peux pas acheter si j'ai pas d'âme. Allez, vas-y. Bonne attaque, s'il te plaît. Voilà, ça c'est la bonne attaque. Voilà, c'est gratuit là. Hop. Et vous voyez T'as qu'il fait le. m'a poussé en arrière. Et ça fait que quand je quitte ici, maintenant ça me sauvegarde la position. Et là, du coup, bah, je suis en bas. Alors, par contre, je vais activer le. Par contre, j'ai besoin de. De toute façon, il faut que je setup le RTSR. Donc. Non, Demon King, Manu, c'est pas si horrible hein, dans cette route, honnêtement. Non, franchement, ça C'est va. juste une question d'entraînement, mais c'est. Il est assez lisible, franchement, ce boss. Il y a pas de. Ouais, Il est pas désolé si dur. s'il y a un peu d'anglais à droite à gauche, mais. En fait, Théum et moi, on stream que en anglais. Ouais. Donc, notre audience est en anglais. C'est ça. Donc, on a Beaucoup de compris. runners aussi qui viennent nous soutenir, donc. Oh. Il y aura des mimes. Je vais en acheter un peu plus. Bon, alors le Royal Woodskip, je suis pas forcément hyper doué à ça, mais. Ça roule en hein, langue. Ça devrait aller. Donc là j'ai acheté des blossoms, c'est des herbes vertes je crois en français. Et ça augmente la régénération de votre stamina, mais un truc de malade. Et c'est super pratique. Par contre Artorias, je vais la jouer un peu safe. T'as activé le raccourci Oui. Ok, pas oublié ça. Voilà, là je pourrais l'attaquer, mais il y a une petite chance qu'il me bute, donc là, je vais la jouer safe. Yeah, thanks, Prude. Honnêtement, c'est Artorias, ça va. Hein. C'est chaud de le faire en mode YOLO, mais en mode un peu plus safe. Allez, fais quelque chose. Voilà, si je prends mon temps un peu. Ouais. Buy a throwing knife. C'est pas du optimal. Hein.
Là, mon prochain boss, c'est Manus, mais je vais d'abord aller déclencher Calamite. Donc, si vous n'avez pas l'habitude, en fait, il y a un boss qui, dans son état normal, la zone où il est, vous pouvez pas le tuer de manière habituelle, dans le sens où il va pas vous battre, il va pas venir contre au sol et se battre. Donc, en fait, il faut d'abord que j'aille une première fois dans l'arène du boss pour que plus tard, un PNJ me propose de l'aider. Donc, le PNJ ne va pas proposer de m'aider si je ne suis pas allé d'abord voir Calamite une fois. Donc, c'est pour ça que en fait, je vais venir ici, puis je vais partir, tout simplement. Je dis bonjour, puis au revoir. J'ai failli crever, mais tellement fort. Faudrait que tu vois ça. Ah, j'ai pas vu. C'était incroyable. J'ai oublié l'artillesseur, Ah, non, déjà. Et il m'a mis à 1 HP, limite. mais. Ah, À là, toute bien. fin. C'était sympa. Holy balls, yep. Donc voilà, j'arrive ici. Ce chien va peut-être me tuer. Non, c'est bon. Et voilà, et je m'en vais. Et donc je vais aller faire Calamite après. Je fais d'abord Manus. Je me demande si je devrais pas faire Calamite d'abord, parce qu'au final, vu qu'il tue tous les runs, tant qu'à faire. Le faire en premier. Là, c'est un peu la même chose que le Royal Woodskip, sauf qu'on n'a pas besoin d'ennemis parce qu'on arrive à tomber sur une plateforme qui n'est pas considérée comme un ascenseur. Donc en gros, là, je prends juste simplement le raccourci à l'envers. C'est voilà, c'est tout simple. Tu fais une La chute magie de chute mortelle. contrôlée, c'est vraiment. Exactement. Et grâce C'est à la chute magique. contrôlée, tu survis. Donc voilà, là, c'est simplement, je prends le raccourci à l'envers. Maintenant, il faut que j'aille récupérer une clé. Donc je vous ai, ok. Alors, je vous ai parlé d'un N'oublie pas l'anneau. boss. Ouais, j'ai mis. Je pense que vous vous souvenez. J'ai parlé d'un boss où il fallait d'abord que je le déclenche pour qu'un PNJ me propose de l'aider. Sauf que ce PNJ est bloqué derrière une porte et j'ai besoin d'une clé pour ouvrir cette porte. Et c'est ce que je vais chercher maintenant. Donc il y a une clé dans ce coffre, juste là. Donc hop. Voilà, Crestkey. C'est la clé qui me permet d'aller parler au PNJ qui pourra m'aider à tuer le boss. C'est compliqué, tellement de choses à faire. Trop de choses à faire. Et là, on passe sur le pont qui justifie Hidden Body. Donc, si vous avez joué au jeu, vous savez que ce pont, c'est une horreur normalement. Donc, il y a trois mecs avec deux sorciers qui commencent des sorts de malade. Et comme vous pouvez voir, en fait, ils me voient pas, ils me remarquent, mais super tard en fait. Donc, ça me permet bah, voilà, de simplement passer le pont comme ça. Si vous voulez tester la différence, allez là dans le jeu, tout nu, et puis commencez à courir, vous verrez. Voilà, vous faites one shot, hein, vous pouvez même vous rapprocher. Oui, Goog. 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 Alors là, de nouveau, hein, bon, rebelote. Hein. Chute contrôlée. Chute mortelle. Oh là là, je ne suis pas mort. Vous avez l'habitude. Ce feu-là, on le prend parce qu'on fait un marathon. Oui, alors, les gens qui. Comment on prononce le nom de ce PNJ en français, honnêtement? Impossible. C'est impossible. Alors, c'est Gough. On dit quoi? Gore? En anglais, vous dites goth ou go, je sais pas. En français, je Gore. l'appelais goo. Enfin, je sais pas. Goog. C'est pas. Voilà, c'est Google, pas con. frère. Alors, je suis curieux. Putain de merde! Je suis trop Oh, con! le con! Ok. Je me suis fait tuer par le. Ah, c'est bien, les deux, on a fait des conneries en même temps. Moi, j'ai Ah essayé ouais, de mais. récupérer Darkbid sans Hidden Body. Ok. Bon. Ouais, bah ça marche. Ça marche. Ça marche bien, je pense. Alors, c'est pour ça qu'on prend le feu. Je me suis fait Ok, tuer vous par n'avez le rien mec vu. avec l'ennemi unique là. Ouais, le Il était super chain, je sais statique, pas il quoi. bougeait pas. Je suis passé derrière lui, hop, il m'a chargé. Ok, alors là, j'étais censé utiliser Hidden Body. Hein. Ça marche un peu mieux. Ça explique au moins pourquoi. Donc, on n'arrêtait pas de dire que c'est un speedrun qui va se transformer en magie, mais on n'utilise pas de magie pour l'instant, enfin très peu. C'est le sort que je récupère ici, qui en français s'appelle les perles noires. Et c'est un sort qui est complètement pété, tout simplement. La perle noire, C'est n'importe Mikasa quoi. Master. Donc on ne l'utilisera pas tant qu'on n'est pas sorti du DLC. Donc on fait le DLC. Hidden Body, please. Voilà. On fait le DLC et après on arrête d'utiliser la dent dragon.
pas très confiant. Oui, là on est sur le DLC pour l'instant. À l'ancienne. Perle noire! Donc là, petit Perle skip noire. qui est assez cool. En fait, je saute en dehors de la map pour pouvoir aller voir Manus. Voilà, c'est. Et j'ai foiré mon setup RTSR. J'ai pas. Oh putain, attends, il y a un backup ici, je crois. Yes! Oh le backup, oh putain, je suis tellement un pro. Je suis tellement un pro. C'est pas des amateurs, hein. Ouais, ça c'est le DLC là. Donc voilà. Gardien, Artorias, Manus, Calamite, c'est les. Non! Denise! Denise! Ah ouais, non, ça c'est. Putain. C'est genre la seule attaque où Ah ouais, bon. tu peux rien faire, quoi. Enfin. Éviter d'être trop proche, mais bon. Ouais, En même temps. je peux. Ouais. J'aurais dû combattre Manus de telle sorte que cela n'arrive pas. Mais Ouais. c'est quand même dans la merde. Le genou, voilà. Le genou. Un mauvais jeu. Oh putain. Bon. Honnêtement, ça va. Franchement, la run se passe pas si mal que ça. Donc ça va. Je suis content. Tu sais qui a failli oublier Hidden Body pour le Dark Bean? Putain de merde! Je croyais le one shot. Ouais, je suis habitué à one shot les boss du coup. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai sauvé une couille? Je suis tellement con. Bon. Technique strat casual. Hein. Bon. Tant que ça marche, hein, écoutez. Je sais pas pourquoi j'ai fait un 7 quit, mais ok. Voilà, là j'ai RTSR normalement. Allez, Manus, round 2. Ah ouais, alors c'est. Le dodge complètement à côté. Bon bah je suis mort sur Manus aussi. Ouais, save and quit, ça devient vraiment un réflexe, c'est clair. Ça va Manus? Je te fais pas chier par hasard. Oh là 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 là. Manus, c'est clairement un des boss les plus RNG quand tu joues au corps à corps. C'est un truc de malade. Ouais, bah surtout quand t'as des attaques que tu peux Mais pas putain, mais t'es éviter, donc. sérieux? On ne fait mais que des attaques de merde. Et mon Blossom va. Ok. Joli menuing. C'était un Manus mais horrible. Écoute, c'est fait, plus qu'un boss. Pourquoi j'ai enlevé mon move swap? Je suis Entre con. guillemets. J'ai enlevé mon move swap. Ok. J'ai pas besoin d'enlever mon move swap mais. Oh là c'est le township. Je sais pas si on l'a précisé, hein, mais si vous voyez le timer s'arrêter pendant les temps de chargement, c'est parce qu'on utilise le in-game time. Et il y a un plugin LightSplit qui fait que LightSplit va aller lire directement le in-game time du jeu. Ce qui est un plugin vachement cool. Ah ouais. Donc voilà, en fait on a des splits qui utilisent le in-game time du jeu. Donc c'est vachement cool. J'aurais pu attaquer là. Du coup là on va aller parler au PNJ dont j'ai parlé pendant tout le long. Donc je vais ouvrir la porte avec la clé que j'ai récupérée dans le coffre. Et le PNJ va me proposer de m'aider parce que je suis allé voir Calamite la première fois. Alors là, il y a la meilleure cutscene du jeu. Par contre, je vais la passer. Donc en fait, l'histoire, c'est que normalement, c'est un dragon qui arrête pas de voler et de cracher du feu sur la zone. Et étant donné qu'il est pas con, bah, il continue à voler et à cracher du feu sur la zone. Et ce que ce PNJ va faire, c'est que c'est un archer. Et va lui tirer une flèche pour le blesser et le forcer à venir se battre au sol. Donc c'est pour ça qu'il y avait un immense arc à côté de lui. Et c'est pour ça que quand on combat Calamite, bah, il a une immense flèche qui lui traverse le corps. Et qui l'empêche de voler. Et c'est la raison pour laquelle on peut combattre Calamite de manière no normale. C'est grâce au PNJ. Parce qu'autrement, le dragon il est pas con. Hein. Il peut voler, nous on peut pas, bah, il Ouais. reste en l'air quoi. Bon, tu peux le tuer à l'arc, quoi, mais. Oui, alors techniquement, c'est possible de le tuer sans parler au PNJ, mais ça prend des heures. Voilà. Avoir le temps, Ça faut va, il faut poser. une tonne de, faut beaucoup de soins, il faut un immense bouclier, et
Vous tirez une flèche, il vous crame la gueule, vous vous soignez. Vous tirez une flèche, il vous crame la gueule, vous vous soignez. Vous faites ça pendant un quart d'heure. Assez passionnant. C'est passionnant et vous pouvez le tuer sans le PNJ. Mais ça prend littéralement un quart d'heure, un truc comme ça, je crois. Ouais, Hammer, tout pète la classe dans ce DLC, c'est vrai. Ils ont bien réussi leur coup, From. Bon, en général, leurs DLC sont plutôt cool. Hein. Donc ça, c'est le dernier boss du DLC. Et le dernier boss sur lequel j'avais utilisé la Dent Dragon. Après, j'arrête. Promis, j'arrête. On en a marre. Ok. Alors ça, c'est un boss qui est vachement chaud. Et qui, en plus... Honnêtement, hein, soyons honnêtes, il a des hitbox de merde. Voilà, je l'ai dit, oui. Je l'ai dit, voilà. Non, mais il faut le dire, c'est important de prévenir les gens. C'est pas un combat équitable. Faut qu'on en dise. Ah ouais, des fois vous vous faites taper par des trucs. Ok, on l'a eu. Vous êtes pas fait toucher physiquement, mais vous mourrez quand même. Bon, ça va, honnêtement. Si vous mourrez, c'est quand même toujours votre faute sur ce boss, mais il a quand même des hitbox un peu de merde. Donc il y a des choses difficiles à gérer quoi des fois. Ouais. Et voilà, plus de DLC pour moi. Bien joué. Donc j'ai plus besoin de cet anneau, donc je casse l'anneau. L'anneau du FAP. Hein. Et maintenant, on va utiliser Dark Bead. Qui est donc le sort ultra pété dont tu parlais pendant tout le long. Et c'est pour ça qu'on a level up 37 d'intelligence. Et... C'était le sort qu'on utilisait dans l'ancienne roue de sorcellerie avec beaucoup plus d'intelligence, mais là vous verrez que ça va faire aussi pas mal de dégâts. Ouais. Même en n'ayant pas autant. Ouais, voilà, ça fait moins de dégâts que ce que la route qui était purement à la magie pouvait faire. Ouais. Mais au final, c'est quand même plus rapide de faire ça. Parce qu'en fait, la route à la magie, le problème de la magie, c'est que ça prend énormément de temps pour avoir des dégâts corrects. Donc le début est plus lent. Enfin, en fait, on fait moins de dégâts au début. Donc et qu'on joue que au corps à corps, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de dégâts au début, et avec le temps, les dégâts commencent à être moins impressionnants. Et du coup, on commence à perdre du temps sur la fin du jeu, quoi. Si on joue à la magie. Alors, préparez vos blagues hein, pour le prochain boss, parce que voilà, c'est très marrant. Personne n'a fait cette blague. Ha ha ha. Pinwheel. Ha ha ha. Donc voilà, c'est une blague qu'en tant que speedrunner de Dark Souls, on entend quand même assez rarement, hein, soyons honnêtes. Ah ouais, non, jamais. C'est une blague très originale en plus. Si vous avez voulu faire des amis dans un chat de Dark Souls et que vous connaissez personne, faites ça et bim, direct, tout le monde vous adore. En parenthèse, ce n'est pas vrai. Sauter. Si jamais. Hein. Mais ce combat, mais ce combat. Donc de nouveau, chute contrôlée, ouf, on traverse tout. Tu l'as eu Far Cry ou... Non mais c'était n'importe quoi. Il était bien ou... Aucun respect de la part de ce dragon. En fait il m'a fait deux fois le 360, après il bougeait plus. J'avais plus de Blossom à la fin. C'est fait. Un peu de sel hein, toujours, ça aide. T'as pas compris la blague, tu comprendras la blague dans quelques secondes. Voilà. Bonjour boss difficile. On appuie sur R1. Au revoir boss difficile. Voilà. Tout un art hein, de presser sur R. Là, c'est beaucoup d'entraînement. Hein. Ouais, ouais. Beaucoup d'investissement. En fait, si je me jette dans le vide, c'est parce que j'ai un sort qui s'appelle chute contrôlée, qui en théorie n'est pas censé me sauver de cette chute mortelle que je fais, mais qui, grâce à un glitch, me permet de le faire quand même. Donc en gros, j'équipe ce sort, je fais une chute qui est censée être mortelle, et grâce au sort équipé, je peux quitter le jeu avant de mourir, et ça me permet de faire une chute mortelle sans mourir. C'est ça, ça te laisse juste une petite seconde, même pas, juste pour quitter le jeu, puis... Parce que normalement, sans le sort, au moment où vous touchez le sol, votre menu se ferme et vous pouvez pas quitter le jeu. Voilà. Normalement, c'est instantané. Par contre, j'arrive bientôt à Nito, donc il va falloir que tu sois silencieux. Oh ! C'était quoi, ça ? Ok, j'ai pas fait gaffe, apparemment. Ok, ceci est quelque chose qui peut arriver, d'accord. Bon, je savais pas. Tu prends le feu, Anito, ou... Non, non, non. Ouais, le tombeau des géants en first playthrough, ça fait mal. Hein. Ah ouais. On sait pas du tout où on va, c'est assez la mort.
Surtout si on ne connaît pas d'astuces pour avoir de la lumière, parce que Ouais. dans le jeu, il y a des moyens d'avoir de la lumière, mais... C'est un drop, non, pour la lanterne ou bien. Je Non, me tu peux rappelle la... plus. Non, si Patch te pousse dans le vide, là, t'as une lanterne en Ah bas. ouais, juste, juste. Sinon, t'as le masque que Solaire peut te donner, et t'as aussi un sort, t'as un miracle. Il y a des moyens, mais c'est vrai que la première fois. Alors là, je vais te demander d'être silencieux. Donc ce boss peut être très chiant. Bon, ça se passe bien. Voilà, en gros, ce boss a une attaque où il crie et il y a une lame qui sort du sol pour vous tuer. Et selon ce qu'il fait, vous ne voyez pas son arme, donc vous êtes obligé de rouler en écoutant l'attaque et ça peut être vachement chaud. Ce qui est pour ça, c'est ce qui est la raison pour laquelle je demandais à Théon d'être silencieux. Et je ferai la même chose quand il y arrivera. Bon, je prends juste le feu de camp au cas où, parce que c'est une mort quand même vachement embêtante si ça arrive. C'est super long d'y retourner là en bas, donc pour la sécurité, je préfère. Je suis complètement perdu. Alors Capra, on dirait pas, parce que si tout se passe bien, ça va être à peu près du pinwheel. Mais on dirait pas, mais c'est beaucoup plus chaud que pinwheel. Parce que... Bah, c'est vraiment une question de timing avec Oh, Capra. ouais. Dès que vous avez le bon timing, ça va, mais c'est vrai que. Il suffit de marcher un petit peu trop. En gros, si vous tirez un poil trop tôt, vous le tuez pas. Et si vous tirez un poil trop tard, c'est lui qui vous tue avant. Donc c'est assez... Ok, s'il fait cette attaque, ça va. Alors là aussi, petite particularité, je quitte le jeu en même temps que le boss meurt, et ça me fait réapparaître en dehors de l'arène du boss. Parce que dans le jeu, si un boss est vivant, vous ne pouvez pas quitter dans une arène de boss. Le jeu va considérer que bah, vous n'avez pas le droit d'être là, et va vous re-téléporter à la dernière position qui n'était pas une arène de boss. Sauf que quand le boss meurt, la zone devient... vous avez le droit de quitter dans la zone. Donc si vous quittez en même temps que vous tuez le boss, vous tuez le boss, mais en même temps le jeu vous interdit d'être là. Et donc en gros, il vous téléporte en dehors de l'arène du boss. Et ça vous Alors là, permet je vais passer à d'être Anito. beaucoup plus safe. Dac, je me tais. Juste un peu de silence. Ah bah tiens. C'est vrai que je peux casser le Fapring. Ok, c'est parti. On va voir ce qui se passe. Je vais juste faire ça au cas où. Voilà, c'est bon. J'ai eu le Cool. store drôle, mais pas le scream, donc tout va bien. Ça, c'est fait. En attendant, on tue Gaping en trois coups. Parce que pourquoi pas, hein, après tout. Ça fait plaisir, hein. Et là, on va en direction du skip le plus chaud de la Ah ouais, ça y est, ça y est, ça y est. run. Donc, comme on l'a pu expliquer au tout début, on a commencé avec les firebombs. Donc autrement dit, on n'a pas le passe-partout. Et maintenant, on va devoir aller voir Quillag. Donc, on tue que Quillag maintenant, hein, parce qu'on n'a toujours pas tué Quillag. Mais on ne peut pas ouvrir la porte qui est là-bas. Donc, on va faire un skip qui s'appelle le Blighttown Skip. Donc, on va passer directement des ruines de la Nouvelle Londo au domaine de Quillag. Et ça peut paraître un peu bizarre si vous n'avez pas trop l'habitude du jeu. Mais en réalité, les ruines de la Nouvelle Londo, en termes de coordonnées, sont juste au-dessus du domaine de Quillag. Donc on va faire un skip en dehors de la map. Et on va tomber directement dans le domaine de Quillag. Le problème, c'est que le domaine de Quillag n'est pas chargé, donc on ne voit rien. Et que le Seven Quit est vachement précis. Donc il faut qu'on saute à un endroit super précis. Et qu'on fasse un Seven Quit super précis. Et si on rate, c'est mort et on perd 5 minutes. Donc ce skip-là, je pense que je peux dire sans trop problème que j'ai dû y passer peut-être une quinzaine d'heures pour y Ouais. arriver, de manière à être assez confiant pour faire des runs.
Et je le rate encore, donc. Bah, le truc, c'est qu'aussi, des fois, selon comment vous sautez, il peut y avoir une toute petite différence à la fin, et voilà. C'est Du suffisant coup, pour tout casser. je vais me concentrer et je vais te demander aussi d'être silencieux. Là, je demande. Enfin, il n'y a pas besoin de son, mais faut vraiment que je me concentre. Aussi, si je quitte pas le jeu ici, ça marche pas. Le skip marche pas. Je suis obligé de quitter ici. Ok, alors du coup. Je l'ai eu. Yes, bien joué. Du coup, vous voyez, je saute dans le vide, il n'y a rien sous mes pieds, et d'un coup, boum, domaine de Quillag. Ce skip est vachement impressionnant. Ouais, c'est. Ouf. Pour le coup, c'est un vrai skip. Dans le titre. Qu'est-ce que tu fais, Gaping? Et le truc, ça sauve que 20 secondes. Ça sauve que 20 secondes. Et du coup, on se fait Quillag, bah, 1 heure dans la run. Et du coup, bah, c'est très gentil parce que bah, bonjour Quillag, au revoir Quillag. RTSR Gaping? Ouais. Il meurt pas, Un peu hein. comme ça. Bah j'ai failli, écoute. Oh Il m'a putain, fait. ouais, j'ai vu ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, ça passe. Alors, on a quand même besoin de sonner les cloches, hein, parce que il faut qu'on retourne au sanctuaire de l'Ichepeu. Enfin, oui, le sanctuaire de l'Ichepeu s'appelle. Et donc la première fois, on a utilisé le serpent aux quatre rois, mais cette fois, on va utiliser l'autre serpent qui est à l'Ichepeu. Donc on va sonner les cloches maintenant, en fait, et bah il va apparaître tout simplement. Ah, par contre, il faut que je mette les 7 anneaux. Ici, on s'attaque au dernier level up du jeu. Donc je vais monter à 22 vies. Techniquement, j'ai pas besoin de level up la vie, mais c'est plus safe. Mais dans le genre c'est plus safe, je le fais aussi en speedrun normal, hein. C'est pas juste pour le marathon. Hein. Watch and learn, brood. Du coup, je vais sûrement faire le setup avec la vitalité à la fin. Est-ce que je dois avoir les pièces d'armure équipées? Pour le kiln, Ouais, t'as besoin des j'ai un. gants. Ok, les Juste gants. les gants. Tu fais Bien joué. counter hit avec les gants. Ouais, ok. Parce que bon, mourir sur un firestorm serait un peu triste. Alors bon, hein, boss, voilà, ça explique pourquoi on va à la, pourquoi on utilise la magie, quoi. En fait, c'est sur ce genre de boss que le corps à corps va perdre une chier de temps comparé à la magie, parce que maintenant, bah, On est craqué quoi. c'est pépère, quoi. Voilà, bonjour, on appuie sur R1 deux fois, et au revoir. Mais de toute façon, hein, toutes les zones dans Dark Souls 1 sont vraiment géniales, hein, moi je trouve c'est. Ouais, Qu'est-ce qui se passe? Je enfin, trouve c'est quand sauf. même. Ouais. Ouais, enfin, sauf la toute fin où on voit qu'ils étaient un Ouais, peu à court de temps. ils alitent, c'est quand même un peu de la merde. Ouais, c'est clair. Mais sinon. La direction artistique dans ce jeu est. Ouais, c'est quelque chose d'autre quand même. Mais du coup, les dégâts de taré ici, pour le coup, il n'y a pas de. Cette fois, il n'y a pas de glitch. Hein. Alors, je vais juste faire le blight on J'utilise. skip. Ah, ouais. Rapidos. Enfin, on va voir. Alors. C'est bon, je l'ai eu. Nice. Ouais, ça fait plaisir. Bon, on flippait un peu avec ce skip, hein, pour être honnête. Donc le fait Ah qu'on bah c'est arrive les deux clair. à le mettre du premier coup, ça fait plaisir. Le truc c'est que si on n'y arrive vraiment pas, on peut passer par la vallée des dragons, enfin on peut faire tout le tour et tout, mais bon, c'est quand Ouais, même c'est vrai, c'est qu'il n'y a pas vachement long. vraiment de plan B en fait. Si on le rate, le meilleur truc à faire, c'est de le retenter, quoi. Ouais, au final. Mais comme j'ai dit, ça sauve que 20 secondes en fait. Alors le truc de marrant en fait, c'est que le skip lui-même n'est pas plus rapide. Ce qui est plus rapide, c'est qu'on n'a pas besoin du passe-partout. Et que donc, grâce à ce skip, on peut prendre les Black Fire Bomb au tout début. Mais techniquement, pour aller voir Quillag, c'est tout aussi rapide que de faire le tour, que de passer par Blightown.
Je suis pas sûr, mais il me semble que tu peux one-shot Quillag, si t'as de la chance. J'ai failli avec le counter hit, mais Si tu ah, j'en ai vises manqué un, je bien. pense. Tao. Tao avec le Google Translate. Ah, je vais pas. Ouais, non, si, je vais faire l'enculé. Ah merde, par contre, le Fall Control du coup. Alors, 20 de vita. Ah Oh ouais, putain. ok, on y arrive pile poil. J'ai voulu pitch et finalement, j'ai pas pitch. J'ai voulu la jouer safe, mais finalement, non. Ouais, Faut écoute. vivre dangereusement. Mot dièse, on ne vit qu'une seule fois. OV, UF quoi. Bon, j'ai un peu foiré centipède, mais. Enfin. On est censé le tuer en deux coups et j'ai mal visé, mais du coup, je l'ai tué en trois. Oh la honte quoi. Oh, Trois coups tellement. pour un boss. N'importe quoi. Du coup, ce boss nous donne l'anneau qui nous permet de marcher sur la lave. Bon, ça, c'est normal. Hein. Quelqu'un est mort comme ça aujourd'hui. Sans équiper l'anneau. Alors, c'est parce que j'avais pas tué Calamite, ok? Du coup, Mais il y a deux anneaux qui se ressemblent à fond dans le jeu non, en mais non, fait. mais c'est pas. Je le fais de. Ouais. Je sais que depuis le RTSR, tu montes deux fois et c'est le bon anneau. Donc j'ai fait ça, quoi. Je suis monté deux fois, Ouais, t'as même pas j'ai même pas regardé quel anneau calculé j'ai quoi. équipé en fait. C'est toujours mal de mourir comme ça. Alors oui, hein, rip vos yeux. Voilà, ça c'est la zone typiquement. Personnellement, je me suis habitué. Hein. Je sais qu'il y a des Ferme modes pour les yeux. enlever. Demander des donations en anglais. Voilà. Faites péter la carte bleue, comme on dirait. Du coup, la raison pour laquelle on a monté 20 de vitalité. Hein, voilà, du coup, là, je me soigne. Le prochain boss a une attaque qui peut one-shot. Voilà, c'est comme ça. Il faut que tu acceptes ça quand tu speedrun ce jeu. Que l'avant-dernier boss peut te one-shot sans que tu ne fasses rien de faux. Voilà, c'est normal. Ça fait toujours plaisir, hein. Parce que de retourner au boss une fois qu'il a été déclenché, bah, c'est pas marrant. Mais du coup, avec 22 vitalité, là, ça devrait aller. Il Normalement. peut toujours me one-shot, même avec 20. Ouais, si t'as les deux. Ouais, si je me prends un dégât de contre ou que j'ai la double attaque, enfin bon, ça devrait pas arriver normalement. C'est Ouais, assez. ouais. Ouais, bon. Voilà, ça y est, j'ai N'y Jinx. pense pas. Voilà. Voilà, maintenant que je l'ai dit, ça va m'arriver. C'est Ouais, c'est obligé. clair. Bon, ça c'est un peu comme le Duke Skip. C'est une technique qui est super vieille, mais qui est toujours impressionnante si on ne la connaît pas. La manière dont je vais tuer le Bed of Chaos. Et c'est une technique qui, mine de rien, aussi, ça. Putain de merde! Oh, putain de merde! L'a fait. Non, putain de merde! J'ai qu'une seule bombe! Non. J'ai qu'une seule bombe! Ah, fais Mais chier! non. J'ai qu'une seule bombe! Mais... Oh, putain de merde! Bon, Bah, tu peux warp quelque part, au moins. ouais, mais j'ai pas pris le feu. Bon, mode casual. Bonjour, bienvenue dans mon Ouais. premier playthrough. Alors ça, c'est con. Oh putain Ça, c'est une erreur con, surtout que moi j'en ai acheté 10 des bombes, quoi. j'ai oublié Ah, d'acheter des mots. Alors, c'est con. normalement, si on foire pas la run. Gola dupliqué, ouais, merci Flex. Mais... Si on foire pas sa run, on est censé avoir deux bombes ici. Sauf que j'ai foiré le snipe du marchand au tout début. J'ai utilisé une bombe en plus et du coup. Oh putain. Mais c'est con parce qu'on peut acheter des bombes. Oh, j'ai oublié. Oh, Ouais, bah on peut acheter des putain de bombes juste avant merde. Artorias, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un oubli quand même assez facile. Bon. C'est à cause du Bon. marathon, hein. Oh là là là. Oh, mais alors, ça, c'est pas de la malchance. Là, je suis vraiment juste con. Là, pour le coup. C'est un oubli, mais c'est bon. Contexte Alors, spécial. je pourrais tenter de faire Bed of Chaos sans les bombes. Je refuse. Voilà. J'en refuse. Ah ouais, non, c'est trop chiant. Ce Le boss, poker. c'est de la merde, tout simplement. Oh putain de merde. Là, je me T'inquiète sens pas, je vais con. prendre le Firestorm si ça se trouve. Ça équilibrera. Putain, du coup, tu vas gagner.
Ouais, alors ça c'est incroyable quoi. Je refuse, White. I refuse! Ouais, tu peux tenter Non, aux mais flèches. je peux tenter les flèches, hein, clairement. Mais ce boss, c'est de la merde. Je refuse de combattre ce boss. C'est personnel. Ce boss est trop. Est nul. Est horrible. Donc il y a eu un petit peu mieux dans ce jeu quand même. Un petit peu plus inspiré. Non, je sais que flèche plus quill out, je sais, je sais. Ah ouais, mais il connaît hein, le jeu. C'est juste chiant quoi. Bon, on est largement en dessous de l'estimate, hein, de toute façon. C'est vrai que ça c'était une inquiétude, donc ça fait plaisir au moins. On va être dans les 1h30. Oh, c'est énorme, je suis mort dans la lave. Ah bah voilà. Je me suis fait Il suffit que, voilà, que j'ouvre ma gueule. bousiller. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, mais. Bah, chacun fait sa petite connerie sur le segment Voilà! de. Voilà. Il est sympa, Thium. Il est. Ah ouais, mais Antoine, il a Voilà, fait je une laisse une connerie. petite chance. Allez. Allez, je jette mes bombes. Je pense que on peut. Ouais, on peut dire que c'est le pire boss de la série. Ah, il y a quelques boss quand même qui sont pas loin, mais il est là-haut en tout cas. Il est là-haut, Ouais, ça c'est clairement, clair. c'est pas. C'est de la merde, quoi, franchement. Bon, avant qu'il y ait cette technique avec les firebombs, il y avait aussi une technique pas trop. Ça allait quoi, mais bon. Enfin voilà. Du coup, on prend deux firebombs. Voilà. Ça y est, j'y suis. Un, deux. À 5 minutes plus tard. Je vais aussi utiliser un Blossom ici. C'est cool. C'est bien. Ça me permet de rouler entre les branches plus rapidement. Et de toute façon, je peux Le pas lancer les blossom, bombes. c'est. Il faut que j'attende un petit peu pour lancer les bombes. Donc. Je me mets là. Première bombe à droite. Deuxième bombe à gauche. Oh putain, c'était le Bed of Chaos le plus lent que j'ai jamais fait. Voici, je vais. Hein, on va pas se gêner. On va utiliser Dark Bead. Hein. T'en as 6 du coup, au Ouais, moins. du coup j'en ai 6. Et voilà. Sinon, vous pouvez C'était. juste foutre un coup de poing sur le boss, mais ça marche aussi. Ah, je suis allé récupérer les bombes à l'iche-feu. Là, il y a 6 bombes normales. J'ai pris les bombes à l'iche-feu. Donc je suis retourné en arrière, récupérer le bonfire juste avant le Bed of Chaos. Je me suis reposé là, je me suis téléporté à l'iche-feu, j'ai pris les bombes et j'y suis retourné. Ce qui est pas très rapide. Ah, les gants. Donc là, j'ai besoin des gants, sinon bah, je meurs. Et bah ceci est la zone de fin. Voilà. Ouais, boss final bientôt. Alors, Bed of Chaos, voyons voir ce qu'il nous réserve. Je suis plus 14 minutes sur mes splits. C'est pas mal. Ouais, bah écoute, pour un marathon, franchement, pas se plaindre. Donc là, on se fait toucher par ce chevalier noir. Voilà. Oui, la forteresse de Seven, on a fait ça au tout début. Ah mais clairement, c'est moins chiant que de le faire aux flèches. Je refuse de le faire aux flèches. Je refuse de ne pas utiliser les bombes sur le Bed of Chaos. J'en ai rien à cirer si je perds 5 minutes. Je refuse. Oh bah Bon, il est mort aussi. la zone de fin, les chevaliers noirs, la manière dont on passe à côté des chevaliers noirs, ça s'apprend aussi. On peut perdre ses runs là-dedans si on fait pas gaffe. Normalement, c'est. Faut faire gaffe, mais ça. Il n'y a plus trop de. Il n'y a plus trop de danger. Et puis le boss de fin, suffit de parier la première attaque. Et c'est bon. Bon, je C'est risque deux. de galérer un peu sur le setup. Ces chevaliers noirs là, ne peuvent pas vous toucher, ils sont trop nuls. Une before à travers le fog gate. Ouais. Ouais, ok. Toujours éviter de lire les trucs en avance. Bonjour Gwyn. Hop. Et finalement, c'est qu'une attaque de plus que Pinwheel. Hein. Ouais, Quand on y pour pense. un boss final, bravo quoi. Bon, c'est le sub 90. In-game time.
Bien joué, moi je vais juste pas l'avoir. Enfin, je l'ai déjà plus là, mais. Alors le setup là que ben, Capitaine a fait tout à l'heure, moi je suis vraiment pas habitué à le faire comme ça, donc. Et voilà. Ça pourrait. Bah bien joué. Bien joué. 1,29,53. Alors voyons ce petit setup là. Fais-moi plaisir. Alors du coup, est-ce que je suis sous-estimate en real time? Ça c'est la question, mais je Une pense quand même. 1h37. Ah, c'est chaud quand même, hein. Ah! 1h37, hein. Ah, c'est bien. Ah, putain. Ouh, il m'a fait peur lui. Ouais, faut pas lui courir aussi près. Hein. Ouais, moi je fais ça n'importe comment, moi les. Non, moi, prends toujours large à droite, sinon il peut te. Large à droite, ok. Mais c'est vrai que moi je les roule tous parce que. Ouais. Ça fait flipper. Il y avait un runner qui avait une super run jusqu'ici. Il y a un long moment, puis il est mort par celui-là. Par derrière. Ah, mais ça Je suis aussi, passé derrière c'est ta et. faute normalement si tu fais ça. Ça fait mal. À part ça, les deux derniers chevaliers noirs, tu leur passes à gauche, donc à leur droite, et ils te touchent pas. Le. Non, pardon. À droite, non, le BKH, c'est à droite, tu passes. Écoute, Ouais, toi, je les tu roules roule, tout. Ouais, je toi, les tu roules roule. tout. Mais celui à la BKH, il. Bon, là. Ouais, il est violent lui, mais ça va. On est passé. Allez. Et voilà. Bon bah finalement on n'a pas eu besoin des sept. C'est beaucoup plus proche que ce qu'on avait prévu. Ouais, ça fait plaisir, je suis content. C'était J'avais pas. créé des scènes sur OBS que pour moi ou que pour Théum, mais On finalement était prêts. bah. L'année passée, moi, je suis allé super loin au-dessus de l'estimate. Bon, c'était pas la même route, c'était beaucoup plus facile de se planter au début. Donc. Bah 1,31,59. Oh merde. c'est le truc cool qu'on utilise en speedrun avec du in-game time, c'est que bah l'estimate, si la run va pas bien, on n'a qu'à dire que c'était un estimate in game time. Ah, real time 1,39,05. Bah, ça fait Ouh! plaisir. Bah voilà, Bah, on est en dessous. c'est la première fois que j'arrive sous l'estimé en temps réel. En practice, j'y arrivais pas. Puis du coup, ça arrive en marathon. Bah, ça fait plaisir. Eh ben, Donc, c'est pour les GG. j'ai perdu que 63 frames sur tout le stream. Je suis content, ma connexion a bien tenu. Ouais, nickel. Ça s'est bien passé en tout cas. Alors, on espère que ça vous a plu, quoi. Est-ce qu'on a un peu de temps? Parce qu'il y a Ouais, un ça skip serait. any% que je pourrais vous montrer, qui est assez Ah, marrant. ouais. Si on a un peu de temps libre, est-ce que quelqu'un peut me dire? Bon, ça prend pas. Ouais, ça prend une. Ok, j'y vais. Vas-y. Ok, je vais vous montrer vite fait un skip. Alors, c'est un skip maudit, dirons-nous. Parce que c'est un skip qui a tué le any%. Voilà, donc c'est un skip qui a rendu la BKH obsolète en 1%. Où sont mes saves? Du coup, je vais vous montrer ça. Donc voilà, là, on a fini le hall boss. Je vais vous montrer vite fait. Donc. Je vais reset, j'ai enlevé le split du coup. Voilà, donc là, pour vous donner un contexte, c'est un speedrun 1%. Où on a tout fini sauf le Bed of Chaos. Donc, comme en All Boss, on fait le Bed of Chaos tout à la fin. La différence, c'est que là, vu que c'est du 1% et qu'on n'a pas besoin de tuer la décharge incessante, Fire Sage et Centipede, enfin, on a besoin de tuer Centipede, on peut utiliser un autre skip où on va passer en dehors de la map grâce à ce mec. Donc, c'est un skip qui peut être assez cool à regarder. Ouais. Et qui est un peu grotesque, hein, carrément. Parce que bah on prend ce type avec des œufs sur le dos. On lui donne des coups de pied. Voilà, nous on frappe les gens, on est comme ça. Alors oui, hein, c'est plus rapide hein, de faire ça. On dirait pas, mais oui. Donc ce skip sauve à peu près 1 minute. Vrai que ça a l'air ridicule, hein. C'est quand même assez pathétique quand on le Des regarde. petits coups de pied. Voilà, on se met dans ce coin. On utilise chute contrôlée. On se fait attaquer parce qu'on est. C'est un connard. On se met là. On attend. Voilà. En gros, il essaie de me grab. Mais parce qu'il est penché en avant, ça me fait tomber en dessous de la map. Là, je vais faire un save and quit. Ça, c'est juste parce que chute contrôlée risque de disparaître pendant que je fais le skip. Du coup, je fais un save and quit et je le remets.
Et maintenant, je suis au-dessus de Fire Sage. Hop, on saute ici. On descend ici. On saute ici. On se laisse tomber là. Et voilà, là on est sur le centipède. Et donc on a skippé deux boss en faisant ça. Et ça sauve 2 minutes comparé à de faire le tour. Je vais juste tuer le centipède pour la forme. Ouais bah, pas fait le skip pour rien. Et ça qui est fort dans ce jeu, c'est qu'il y a vraiment énormément de ça en fait. C'est ça qui rend les speedruns de Dark Souls 1 vraiment intéressants à regarder, c'est qu'il y a vraiment vraiment beaucoup de possibilités différentes. On peut skipper des boss, on peut les faire dans un ordre inversé, presque tous, je crois. Non, pas tout. Mais ouais, on peut faire quelques boss inversés. Ouais. Il y a Donc beaucoup de voilà. possibilités. Et maintenant, je peux aller me faire le Bed of Chaos. Et vous voyez la différence avec la run de All Boss qu'on vient de faire. Bah, c'est ça skip énormément, quoi. Voilà. Le problème de ce skip, c'est qu'on a besoin de chute contrôlée. Et que donc, le RTSR, qui est l'anneau qu'on a utilisé pendant tout le long, il prend trop de temps à aller chercher. Et donc, le Any% n'utilise plus le RTSR. Et comme je vous ai expliqué au début, le fait de faire tous les combats en étant à moins de 20% et de faire tous les combats en ayant ce risque que n'importe quoi peut nous tuer, c'est quand même quelque chose de vachement agréable et c'est quelque chose qui n'a plus dans le Any%. Et c'est vrai que du coup, bah, c'est devenu un peu plus ennuyeux, quoi. Mais le Ouais, bah skip est c'est clair. toujours impressionnant à regarder. Bah voilà, on est tout bon. Voilà. Donc c'était Dark Souls 1. J'espère que ça vous a plu. S'il y a de nouveau un Outrun 2018, on sera là, pas de Ouais. soucis. Avec une route qui aura complètement changé, un speedrun 5 000 plus rapide. Peut-être, Je sais pas. peut-être. On verra. Ça évolue tout le temps, en tout cas. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la run. N'hésitez pas à aller voir nos chaînes respectives. Comme on l'a dit, on tient même en stream en anglais par contre. Si vous avez Ouais. quelques questions, vous pouvez nous les demander en français, mais sur nos streams, on sera en anglais. N'hésitez pas à regarder speedsouls.com si vous avez des questions à propos de Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3 ou aussi Bloodborne et Demon's Souls. Ouais, Toutes les vraiment tout. informations seront là-bas. J'espère que vous avez aimé la race. Et n'oubliez pas les dons pour le lycée. Et faites péter la carte bleue! Il reste encore du temps, donc allez les gars. Merci beaucoup, ciao, à la prochaine! À plus.